attends, on a vu un chez Copic là ou quoi? Oh, ça prend Ying. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh le move. Oh le... Oh l'intelligence. Oh. Mais l'autre là qui sort de... Qui sort de chez le coiffeur là, et avec son petit dégradé de merde, avec sa petite chemise. Ouais bah moi j'étais là pour un afterwork. On lui dit police, police. Il se transforme, c'est la cage au folle là, il court dans tous les sens et tout. Moi j'essaie d'être sympa, tu vois, j'essaie de lui dire calmez-vous monsieur, calmez-vous, ça va bien se passer. C'est dans mes fils de pute dans la cuisine pour se servir un putain de burger. Et l'autre est là, et ben on rentre pas dans la cuisine, ok, il me tire dessus. C'est pas un drone, c'est une smoke ça mec. Une adoption, tu deviens son père. Ça voudrait dire qu'il faudrait que Nick ça. Ah bon, c'est possible, hein. Sébastien Loeb, tiens. Bam. 360, mon gars. Bam, into. Oh putain. Salut. 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 On est tué tous. C'est bon, on est en Discord, 2 minutes. Où ça sera le point, ça sera... Oh, 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 un coup de crasse si tu veux. Veuillez m'excuser mon lieutenant, j'ai ma bouche qui s'est bloquée tout d'un coup et je ne pouvais pas m'arrêter de parler. Pardon, ah, alors je savais pas que ça tue quand tu dis sur la tête. Par contre, tu veux monter? Let's go. Quelqu'un, je le fais reprendre. Wouah, bien joué ça. Oh my fucking god, I'm so excited, man. Je vois pas en fait. Oh! Ah, désolé. J'ai envie de dire que le jeu d'Alpha, parfois on a du mal à s'y faire. Ok, elle passe pas celle-là, vous avez pas compris. Eh bah, allez, du mal à s'y faire. Allez, Cypher! What mec, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, non. Tire tes balles. Vas-y, bah y'en a plus à un moment. Ah y'a un moment, y'a plus de balles. Ça casse ta porte, quoi, on va mettre du one tap. Ouais, okay. J'ai dit quoi, on casse ta main door, on va mettre du one tap. Ça tire où là? Y'a un mec là! Les feux de l'enfer! Bibi! Victoire des défenseurs. Attention, ici c'est l'école, la vie version salée. Ce live contient donc toujours une dose de second degré et de sarcasme aussi grande que l'humilité de notre cher proviseur, lol. Hey, salut les noobs, comment ça va sur le campus de la Salty Academy? Vous avez passé une bonne et une agréable journée? Ça va? Comme d'habitude, je lance à 14... 17h37,
Bah dites donc, tout va bien, hein? Comment ça va, Six? Eh ben écoute, ça va pas trop mal. Ça va pas trop mal. Et vous? Bonjour, Jack John. Il y a qui devant le campus, là? Il y a Rikam, ok. Il y a Lockhart, ok. Il y a Axe Dinx, il y a Foxy. Ouais, il n'y a pas les plus beaux, hein. Et il y a Ruby 35. Ah non, Rudy 35, t'as la vache. Il y a Billy Boys. Oh wow, la vache. Belizer. Oh putain, la vache. Hein, on a toute la crème de la crème du fond de panier là. Hein. Topologie. Ah ouais. Oh lolo. Il y a des gens sympas ou il y a que des trous du cul là. Ah, il y a HVim à la limite. Ok. Ah, il y a Chipscoo. Bon, lui, on l'a jamais vu de toute façon. Il y a Jack John qui va nous dire ouais, voilà, de la merde, hein, comme d'hab. Hein. Ok. Bon, bah. Moi, j'attends les gens sympas avant de rentrer, avant de vous laisser rentrer. Hein. J'attends. Là, il n'y a que les trous du cul, quoi. Ah, il y a Alro. Alro, il est un peu moins trou du cul que les autres, quand même. Ouais, il y a Alro. C'est l'anniversaire d'Alro, les amis. Voilà. Entrez. T'as mis le lien que je t'ai envoyé, Six? Absolument. Du tout. Quel lien que tu m'as envoyé? Tu m'as envoyé quoi comme lien? Bonjour Neven, bonjour tout le monde. Qu'est-ce que tu m'as envoyé, Jean-Claude Duss, là? N'oublie pas que si tu m'envoies un lien, il faut que tu me l'envoies sur SA Soundbot, hein, si tu veux que ça apparaisse sur la prod ou je sais pas quoi. Il nous respecte pas, il veut juste notre thune. Exactement, les mecs, exactement. Il était temps que vous réalisiez un petit peu l'énorme crapule que je suis. Hein? D'après les sondages, on t'emmerde fort, Six, de la part de tous les pas beaux du chat. Hein? Comment ça, d'après les sondages? Je t'envoie le lien de la prod dès ce soir. De ce soir, ok. Tu sais comment soigner une angine? Ben ouais, mais faut savoir si elle est virale ou pas déjà, tu vois. Et quel genre d'angine? Angine blanche? Rouge? Violette? Elle est de quelle couleur, l'angine? Mais ça soigne pas une angine, en fait. À la limite, tu peux juste essayer de la calmer, quoi. Tu bois du truc chaud, tu manges du miel, tu prends un thé avec du miel, du strepsil à la lidocaïne. Comme ça, il y aura un effet anesthésiant sur les amygdales parce que ça fait mal. Voilà, quoi. Spray pour la gorge. Ouais, voilà. Ouais. T'as que ça à faire. Spray pour la gorge à la lidocaïne. Ça, c'est chambé. Tu mets directement au fond des amygdales, là. Ça, c'est... Pendant une heure, t'es tranquille. Et après, pareil avec du strepsil. Voilà, quoi. Voilà ce qu'il faut faire. J'ai pas d'autres recommandations. C'est bon, les amis? Il y en a d'autres qui ont mal quelque part? Je suis aussi docteur, ok? Je suis un peu le docteur de votre vie. Putain, la clim derrière, elle est en train de faire des trucs chelous, là. Lien de la prod envoyé. Miel citron chauffé avec un bon petit thé, ça sert à rien, mais c'est grave bon. Bah, ça sert à rien. Si, il faut juste calmer le truc, quoi. Mais franchement, le spray à la lidocaïne, là, spray strepsil et pastille strepsil, c'est pas mal. J'ai mal au cul. Ah ouais. T'as déjà essayé de laisser pousser ta barbe 6-4? Ouais. Ouais, mais maintenant, elle est un peu trop poivre et sel, quoi. Et puis, elle a tendance à partir un peu sur le sel. Ah ouais, bah ouais. C'est le campus de la Salty Academy, hein, donc bon, fallait s'y attendre quelque part. Mais voilà, donc je la laisse. Mais non, j'avais la barbe quand je suis allé faire mon tour du monde. J'avais laissé une grosse beubare là. Oh, elle a jamais été énorme, mais bon, elle était bien, bien touffue, quoi. Je l'avais pas coupée pendant un an. On veut du sel et c'est beau le sel. Ouais, grave. Je regarde ta vidéo qui date de 8 ans et ça t'allait bien la barbe, je trouve. Ouais, mais à l'époque, elle était toute poivre. Et il y avait 2-3 bouts de sel, tu vois. Voilà, elle est quand même bien, bien salée, quand même. je suis vieux, hein. Voilà, quoi. Oui, quelqu'un a le lien de la vidéo. En marche comme un pingouin, c'est à cause de hier, ça. À l'époque, il était jeune. Vous êtes des salauds. Bon, et vous avez fait quoi de votre journée? Mais qu'est-ce qui se passe? La clim, elle est en train de me faire des trucs de ouf. Zelda, pour moi. T'as quel âge? 28. 29. Lycée, comme d'hab. Ouais, ouais, je connais, ouais. J'y étais il y a 10 ans.
23. Ouais, ouais. Bah en même temps, ta fenêtre est ouverte, Six. Ah oui, c'est vrai. Dead Space pour moi. Dead Space. Putain, la vache. Yo, DZ. Comment ça va? Bon, j'ai... ouais, c'est pas, pas la grande forme, là, aujourd'hui. Mais c'est pas... c'est pas... c'est juste fatigue, en fait. J'ai pas super bien dormi cette nuit. J'ai dû dormir 5 heures comme une merde, là. Et voilà. Et moi, ça m'impacte pas mal, maintenant, quand je dors mal, là. Ok. Et ensuite, je me suis dit, bah, vas-y, bah, pour une fois, je vais un peu prendre du temps pour moi. Donc, je suis allé me poser au sauna, hammam, jacuzzi, là. Ah ouais, franchement... il n'y a rien de tel pour déconnecter. J'ai jamais eu un truc qui m'a donné une capacité de déconnexion totale que 5, 10, 15 minutes de sauna et à chaque fois entrecoupé d'un bain froid à 8 degrés. Ah là, franchement, tout immergé là, tu restes dessous et là, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien du tout. Je suis tout seul. Là, il y a... pour une fois, mon cerveau s'arrête hein, et me laisse tranquille. Un truc de vieux, non? Ouais, c'est vrai. Tu meurs, là. Ouais, non, 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 je vous jure, c'est bien. Vous faites pas ça, vous? Un truc de vieux. Mais comment ça, un truc de vieux? Vous dites ça parce que vous avez pas un rond, quoi. Eh, les amis, j'arrête pas de regarder des bagnoles en ce moment. Je sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas ce qui m'arrive. J'ai envie de changer de voiture. Et voilà quoi. Regarde la F1. Prends un GLC 6-4. Non mais les mecs, j'ai pas les moyens. Un GLC, fils de pute. Je regardais une 2008. Franchement, je la trouve parfaitement adaptée. Tu vois? Genre 4x4, mais... SUV, mais pas trop grand. Ah, je suis tout seul. J'ai pas besoin d'un truc énorme, quoi. Voiture de daron, ça. Ouais, bah en même temps... ah, tu vois ce que je veux dire. Hein. Quelque part, crise de la quarantaine. Bah, j'avoue, c'est possible. Nouvelle vidéo TikTok, les amis, n'hésitez pas à cliquer dessus. Tu préfères électrique ou essence? Ah, je sais pas, j'arrête pas de regarder. Mais les prix des électriques, mais c'est hors de prix, quoi. C'est 30, 40 000 euros et tout. Moi, j'ai du mal à imaginer mettre... plus de 25 000 euros dans une bagnole. Franchement, au-dessus, je fais... non, je le fais si je suis millionnaire, quoi. Et je suis pas millionnaire. Électrique, c'est bien en location. Mm. Part avec les caisses de la Solti, petite Lambo en voiture de fonction. Ah ouais, bah ouais, bien sûr. Ouais, ouais, petite Lambo. Ouais. J'ai une voiture qui part en Lambo, mais... c'est pas tout à fait la même délire. Hein. On va pas se mentir. Rien que trouver une borne aussi, un enfer. Ouais, grave, franchement, les bornes électriques, machin. Électrique, c'est bien si tu fais que de l'urbain en plus, tu vois. Franchement, électrique, c'est le top si tu roules en ville, quoi. Genre, petite bagnole électrique, machin, là. T'habites à Paname, t'as une Zoé, là. T'es bien, tu vois. Ouais, c'est cool, c'est comme une trottinette, le truc. Mais alors, si t'as envie, si demain j'ai envie de partir en Belgique pour aller à la Louvard, oh, merci. Paye ton projet, mon gars. Ça dépend sur le long terme. La location, c'est rentable au début, mais pas sur le long terme. Ouais. J'aime pas les trucs où faut payer tous les mois, quoi. Si j'ai un truc, il est à moi. L'État te file des sous pour acheter une électrique. Ouais, mais même la prime à la conversion, là. Et encore, est-ce que ça consomme pas plus en ville, les électriques? Hein? Consomme. Est-ce qu'on parle de consommation quand c'est de l'électrique, du coup? Ouais, après, ça rentabilise vite. Il y a les parents de ma copine qui ont acheté une Dacia électrique 50 km. Ils la rechargent avec une prise de chez eux. En un an, ils ont économisé 3000-4000 euros. Ouais, non, mais une Dacia, si je change de bagnole, je prends... tu vois ce que je veux dire? Une Dacia, autant prendre une trottinette, quoi. J'aurais peut-être encore un peu d'amour propre, tu vois. Une Dacia, c'est bien quand t'as plus rien à perdre, tu vois. C'est bien quand tu... Quand t'as une grosse surcharge pondérale, que t'as 60 ans et que ta femme, de toute façon, va pas trouver quelqu'un d'autre. Et puis toi, de toute façon, tu vas pas trouver quelqu'un d'autre, quoi. Là, c'est bon. L'ancre est posée dans le port. Tu repars pas, hein. Ouais, voilà. Mais je veux dire, t'arrives en Dacia devant tes potes.
Tu peux pas le mettre dans une bio Tinder que t'as une Dacia, quoi, tu vois. Moi, mon père a une Peugeot 3008 hybride 300 chevaux, ça fonctionne bien. Ah, mais ton père, il est pété de thunes, Jules. Pourquoi t'es pas sub, enculé ? Putain, 3,99. 300 chevaux, la 3008 hybride, ça coûte 60 000 balles, quoi. Quitte à mettre 60 000 balles, je préfère la mettre dans une voiture d'occasion, franchement. 46 000 euros, la 3008. Non, mais j'ai regardé les prix. J'ai regardé les Audi. Les Audi, la e-tron, pour ne pas dire e-tron. Bravo, Audi. 100 000 euros, la voiture. À quel moment j'ai envie de mettre 100 000 balles dans une bagnole ? Tu sors plus de chez toi, tu pètes un câble dès que tu la rayes. En fait, il faudrait établir un truc rationnel de pourcentage du prix de ta voiture par rapport à ton salaire annuel. Voilà. Je pense que la voiture ne peut pas représenter plus de 80% de ton salaire annuel. Un salaire annuel. Une Golf 8R, ça coûte 52K. Ouais, non, mais franchement... Les voitures et les voitures d'occasion ont pris 20-30%. Ah ouais ? Non, mais les voitures électriques ont pris 20-30%, non ? C'est combien le budget ? Je sais pas si je vais le faire. À chaque fois, je me dis, ouais, la flemme, tu sais. Les nouvelles Opel sont top. Ouais, Opel. Quitte à prendre un truc, je préfère prendre du français, quoi. Quitte à pas prendre une grosse berline. C'est hallucinant comment la France est quand même matrixée par Audi, on va pas se mentir, et par les bagnoles allemandes. Franchement. Alors que Audi, c'est quand même dans les pires moteurs au monde, en termes de retour, quand même. Ils ont quand même la palme du genre les pires moteurs au monde, quoi. Ils ont les plus forts taux de retour. Mais bon. Voilà. Tu utilises beaucoup ta voiture en vrai ? Non. Non, en vrai, je devrais pas. Voilà quoi. En vrai, je devrais pas. Mais c'est compliqué. Parce que d'un côté, il y a une partie de moi... En fait, quand vous vieillissez, il y a une partie de toi où, en fait, là, j'en suis arrivé à un stade où... je suis content d'être plus sage. Et de temps en temps, ça me fait chier d'être plus sage, en fait. Parce que j'ai jamais été réellement sage. Hein, je suis pas la personne qu'on peut caractériser comme étant très sage. Hein, voilà quoi. Moteur à chaîne aussi chez les Allemands. Mm-hmm. Une RS3, c'est 60K6. Bah, c'est bien de la merde. Et la Peugeot 308 hybride en blanche, la nouvelle, tu l'as regardée ? Non, mais quitte à prendre une bagnole, je vais pas prendre une bagnole neuve, quoi. Hop, elle est sortie de la concession. Hop, elle a perdu 15%. Mais elle a changé ? Non. Elle a décoté, vous avez fait 8 km avec. Ah ouais, d'accord. Ah bah sympa. Maserati, ils font des belles voitures et d'occasion, il y a des beaux trucs. Et ça fait daron et je les trouve cool. Mais les mecs, mais Maserati, mais ça coûte combien ? Eh, y en a, vous êtes matrixés, hein. Vous roulez en quoi ? À l'heure actuelle, vous avez quoi comme voiture ? Il y a des trucs abordables. Mais le problème, il est défini abordable. Pour certains, abordable, c'est 1000 euros. Pour d'autres, abordable, c'est 30 000 euros. Eh. Citroën C4 en VP, un Kangoo. Dacia Sandero. Oh là là. Dacia Sandero, LTA. Eh, t'es marié, mec. T'es marié, t'as deux gosses. Avoue. Je suis vraiment un fils de pute. Tu peux m'insulter, vas-y. Dis-nous un budget, on te donne un modèle qui tirait bien. Pas plus de 25K. Je pense que ma bagnole, je peux la revendre 7000. BMW E46. J'en ai ras le cul des BMW. On en voit partout. Voilà. Moi aussi, j'étais à 20 piges, j'étais matrixé par l'Audi A3. Je voulais absolument une autre A3, une Audi A3 cabriolet. Après, j'ai fait, vas-y. Je vais prendre Range Rover. Range Rover élu officiellement moteur les plus pourris au monde. Ah, juste au-dessus de... Juste avant Audi, quand même. Hein.
En 2022, plus fort taux de retour au monde, Land Rover. Et ça, je comprends pas. Hein. Pourquoi personne n'en parle des taux de retour, tu vois? Les dernières Peugeot sont pas mal. Ah franchement, la 2008, elle est sexy. Hein. Prends une Golf GTI, c'est environ 20K. Vas-y, mais Golf GTI, les mecs. Le problème des Golf GTI, machin, truc. Franchement, faire le kéké et tout sur la route, c'est relou, quoi, tu vois. Golf GTI, j'ai eu une Golf 5 quand elle venait quasiment de sortir. C'est la seule belle bagnole que j'ai eue de toute ma life. Une Golf 5. Voilà. Bah, pff, voilà quoi. Mec, Golf, les Golf GTI, il y en a, vous savez pas, il y a un truc qui s'appelle derrière l'assurance. Et faire le plein. Ok? Si c'est pour payer 700€ par an d'assurance, ouais, c'est bon quoi, voire même plus. Les mecs, moi, ma petite bagnole, je paye 300€ par an. Et encore, je vais vous donner un cheat code. Je vais vous donner le cheat code. Parce que vous avez souvent des gros fils de pute qui vous disent « Ouais, moi, grâce à ça, je suis devenu millionnaire et milliardaire. » Ok? Mais eux, c'est des gros fils de pute. Moi, je pourrais faire du vrai coaching. Ok? Et je pourrais même appeler les gens en live, comme je l'ai fait il y a 3 jours, et je vous montrerai comment tu peux gagner de la thune. Genre, vraiment. Eh ben, je vais vous donner un vrai conseil. Et vous n'allez pas comprendre. Ne faites jamais, 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 ne prenez jamais d'assurance avec un paiement automatique. Jamais. Et vous allez économiser de l'argent. Et pourquoi? Bah parce que à chaque renouvellement de contrat, ils vont venir vous voir en vous disant « Attention, le contrat se renouvelle. » Et on n'est pas en mode « Attention, on va servir sur votre compte. » Avec comme d'habitude plus 5 à 10% d'augmentation chaque année parce que c'est le but du jeu de vous enculer. Voilà. Et donc du coup, à chaque nouvelle année, ils vont venir te contacter. Et toi, le seul truc que tu fais, n'importe quelle assurance tu peux le faire, ça marche. T'appelles le service réclamation et tu dis « Bah désolé, mais vous avez encore augmenté vos tarifs. Je me casse à la concurrence. » Et comme par hasard, ils vont dire « Ok, bon bah on vous rétablit le truc, machin. 150 balles, il y a 2 jours. » Je le fais tous les ans. Tous les ans. Ça, c'est un vrai tips. Ça, c'est un vrai fucking tips. Tu peux tomber dans la facilité de te dire « Ouais, je vais mettre mon assurance en renouvellement automatique parce que j'ai pas envie de me prendre la tête ou flemme de machiner. » Mais nique ta mère, la notification, ils arrivent, et tu vas recevoir un mail et le mail, ils vont te dire « Bonjour, il est temps de payer votre renouvellement annuel de votre assurance. » Bon, bah voilà. Et là, tu vas dire vous avez besoin de ma CB, poup, poup, poup. Ouais, bah, pas de problème. En revanche, pourquoi ça a pris 10%? Vous allez avoir toujours la même réponse. Systématiquement, vous allez avoir la même réponse. Et la réponse, la justification, l'excuse, le bullshit, ça va toujours être ça. Attention. Oui, alors en fait, c'est que chaque année, nous étudions en fonction du type de véhicule que vous avez et en fonction de la région géographique dans laquelle vous vous situez, les risques comporte le fait d'avoir et d'être propriétaire de ce type de véhicule. Nous avons donc décidé qu'avec votre véhicule X, dans la ville de Y, eh bien, il y avait une augmentation cette année. Et c'est comme ça qu'ils le justifient à chaque fois. Donc tu leur dis, attendez, du coup... Posez-leur une question. Vous leur demandez, du coup, si à chaque fois vous réévaluez les risques, il y a bien quand même des endroits en France où les risques ont baissé. Ok ? Dans quel endroit de France votre assurance, là, vous l'avez fait baisser en 2023 ? Tu verras. Regarde la réponse. Je n'ai pas les chiffres devant moi. Voilà. Ouais, non. Fucking bullshit, quoi. Vu qu'ils radotent. Non, je te l'ai raconté à toi, c'est tout. Et je te jure, 100 balles, quoi. 100 balles. Direct assurance, 100 balles. Ne vous faites jamais enculer. Tu mets une alerte 2 jours avant, t'appelles et c'est bénef. Et je vous jure que c'est un putain de tips. Same tips avec les opérateurs téléphoniques. Oui, mais l'augmentation des opérateurs téléphoniques est un peu plus réglementée, en fait. Elle est un tout petit peu plus réglementée, l'augmentation des tarifs sur la partie téléphonique. C'est pas aussi énorme. Les assureurs t'enculent. D'accord ? Voilà le business model d'une assurance. 1. Faire de l'acquisition de nouveaux clients. Donc, étant donné que 80% des personnes maintenant utilisent des comparateurs de prix, le but du jeu, c'est d'être bien référencé. Et pour être bien référencé, il n'y a pas le choix. Il faut que les gens
aille sur le comparateur de prix et regarde tout en haut les trois premières assurances qui s'affichent. Pas le choix, ils doivent faire des prix attractifs. Du coup, la première année, c'est toujours sympa. Mais ça, c'est cool, tu vois. Tu vas payer ton truc 280€ la première année en tout risque. La même chose l'année d'après, 320. L'année d'après, 370. Et si tu fais pas attention, et si t'as mis ton truc en prélèvement automatique, tu te retrouves avec un truc à un jour, et ça fait 5 ans que t'es dans la même assurance, et tu dis bah chérie, 470€ quand même. C'était pas 300 avant. Voilà. Et tu t'es fait enculé. Je suis à 110€ par mois en tout risque. J'étais à 367€, ils m'avaient mis. Et ils m'ont dit non, vous inquiétez pas, machin. Voilà, exceptionnellement, si vous payez aujourd'hui, on vous fait un avoir de 100€. Et c'est reparti. Du coup, au final, ça me fait les deux années et demie, enfin les trois années, à 300€ par mois, par an en tout risque. 300€ par an en tout risque. On peut changer d'assurance chaque année, j'ai pas de voiture. Ouais, tu peux te barrer quand tu veux. C'est un contrat annuel que t'as. Le problème du contrat annuel, c'est que si tu t'autorises le prélèvement, ça part sur un truc qui est un bon truc d'enculé qui s'appelle la tacite reconduction. À partir du moment où la nous on reconduit en un an, mais on a augmenté. Et à chaque fois, tu te fais niquer. Je suis à 75€ par mois chez La Poste, tout risque, Peugeot, 208, 110 chevaux. 75€ par mois, bah, multiplié par... ça fait 7... 75€ par mois. Pour une 208. Mec, mais t'as tué des grands-mères avant ou... Et puis, faut payer à l'année. Un, tu payes à l'année. Deux, tu payes en CB. Voilà. Hey, franchement, je vais commencer à faire des vrais tips, là. Des vrais trucs, là, sur TikTok. Au lieu d'avoir des autres enculés, là, qui vous disent « Hey, je suis millionnaire. Laissez-moi vous partager mes secrets de millionnaire. » Ben, principe numéro un du millionnaire, à mon avis, c'est de pas partager ses secrets. Hein ? Ben oui. Oh, franchement, hey, j'ai envie de dire à tout le monde à quel point je suis millionnaire. Et ça n'a aucun sens. Non. 110 chevaux, jeune permis, quelle hérésie. Mais oui, si t'es jeune permis, pas plus de 4 chevaux fiscaux. On s'en fout des chevaux, la puissance d'in. L'important, c'est les chevaux fiscaux. C'est ça qui détermine le truc, quoi. Voilà, quoi. Alors, je sais pas si c'est toujours le cas aussi, éviter les voitures noires. Les assureurs sont un peu racistes. Non, je déconne. Mais il y a des assurances qui, en fonction de la couleur du véhicule, le font payer plus cher. Voilà, ça, faut le savoir. Il faut savoir qu'un véhicule de couleur claire a 10% de chances de moins d'entrer dans un accident qu'un véhicule noir. Bah, à cause de la visibilité, tout simplement. Et si vous êtes un homme ou une femme, ça arrive aussi. Femme, moins d'accident. Comment est déterminé un cheval fiscal? Je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Comment c'est déterminé? Je sais pas, mais c'est une classification, quoi. Et c'est le truc qui apparaît sur ta carte grise. Quand t'achètes un véhicule, le truc, il est marqué chevaux fiscaux, tu vois. Et c'est sur la carte d'identité du véhicule. Donc, c'est la carte grise du véhicule. Combien de chevaux fiscaux? 4, 5, 6. Je pense que c'est ça qui détermine le truc, quoi. Après, j'imagine que les assurances, quand même, rentrent dans le fait d'avoir un modèle ou pas. S'il y a un turbo, pas de turbo, un truc, j'imagine. Hein. Voilà, quoi. Tu sais, pour un C3 de 2007, 60 chevaux, je suis à 550€ par mois. Une C3 de 2007, 60 chevaux, 550€ par mois ? Par an. Ah ! Moi, je suis chez Direct Assurance. Mais on s'en fout, en fait, de l'assurance. On s'en fout. En plus, la plupart des compagnies d'assurance revendent à des trucs qui sont des plus grandes compagnies d'assurance, quoi. Donc, bon, en vrai, c'est même pas eux qui gèrent le dossier, quoi. Donc, ils s'en battent les couilles. Ils ont un grossiste au-dessus d'eux, en fait. Toi, tu dis, hop, tiens, c'est ça, l'assurance. Mais en fait, on a la même, tu sais. Ça dépend du lieu aussi.
Oui, ça dépend du lieu. Bien sûr, ça dépend du lieu. Ah, d'ailleurs, maintenant que j'ai changé de département, changé de ville, je sais pas s'il faut que je change un truc. Merci Kaiser pour les 34 mois. Merci Axdinx d'avoir offert la possibilité à Foxy de payer ses 14 mois de frais de scolarité. Vous êtes des monstres, les amis. Bonsoir, Mister, voilà. Le proviseur. Et voilà, donc ça, faut que je fasse un TikTok là-dessus. Les bons plans, les bons plans, ne vous faites plus baiser. Au Québec, mes assurances, 2700 euros par an. 2700 euros par an? Mais mec, mais t'as assuré quoi? Ouais, mais bon, ouais. T'as combien de caribous sur le traîneau aussi? Vous parlez pas en chevaux fiscaux, vous? C'est du caribou fiscal, non? Ouais, c'est pas pareil. Pas la même unité. Hein. Ouais, désolé. T'es dans quel département, Six? 44, en Bretagne. Pareil, pour acheter une maison, éviter les agences immobilières et les courtiers. Bon, ça, c'est du bullshit. Hein. Ça, c'est du bullshit. Hein. Ça, c'est une énorme connerie. Ça, c'est une énorme hérésie, par exemple. Et je peux t'en parler des heures. Les agences immobilières, oui, si tu peux faire 100. OK? Franchement, les agences immobilières... Désolé, hein, mais moi, je me suis pris la tête avec plein d'agents immobiliers, quoi. Ma mère a travaillé dans le neuf. Donc, dans le fait de faire de créer des buildings, quoi, en gros. Enfin, des maisons individuelles, plutôt. Pas des buildings, en l'occurrence. Et les personnes qui te vendent des biens qui sont déjà... ils appellent ça des pousse-portes. C'est tout. Ils poussent la porte, et le but du jeu, c'est « Laissez-moi vous présenter ce bien que je connais bien moins bien que les personnes qui y vivent. » Ça, c'est la vérité. Quand bien même le mec te dirait « J'ai vraiment étudié mon dossier », tu peux pas le connaître aussi bien que les gens qui y vivent. Ok ? Voilà quoi. Je vis à Malte dans un manoir. Ouais, j'avoue, en fait, c'est Malte derrière les mecs. Donc, voilà. Et les courtiers, à l'heure actuelle, tu veux passer directement auprès des banques ? Bah, bon courage. Bon courage. Non, en ce moment, les banques, elles vont te dire « Va te faire enculer ». Un courtier, ça demande pas grand-chose. Hein. C'est pas énorme hein, sur le prix d'un bien. Sur le prix d'un bien. Un bien à 250K, moi je peux vous en parler puisque c'est ce que j'ai acheté. Donc c'est un bien à 250K, il y en a eu pour 1700 euros de courtier. Et le courtier, il se sert de toute façon sur la partie crédit au final. Donc non, un courtier au final, non. Il a accès à plus de banques, il va pouvoir négocier avec plus de banques. Et quand il va voir un banquier, il arrive en disant « Salut Jérôme, comment ça va ?»« Ça va, écoute, on a quoi en ce moment ?»« Bah là, j'ai 12 demandes de prêt. » Et toi, tu peux pas arriver avec un volume comme ça. Quand tu vas voir le banquier, Jérôme, là, il va te dire « Ouais, bah, monsieur machin, ah ouais, bon, bah, voilà, quoi. » Donc, les agences, ça dépend. Mais c'est vrai que, de toute façon, moi, ça m'est... Je vais pas mentir, hein. Ça m'est déjà arrivé d'aller squeezer l'agence, hein, bien sûr. Je faisais « Putain, le bien, il est à 250. Si j'y vais voir direct les gens, il est à 240. » Sorry. Hein. Surtout que la plupart du temps, à l'heure actuelle, le monde de l'immobilier sur Nantes, c'est une horreur. À l'heure actuelle, même les gens qui veulent vendre leurs biens sans agence, ils se font harceler. Harceler. Et j'ai rien contre les agents immobiliers. Mais c'est juste que le marché est tellement horrible que les mecs se font harceler dès qu'il y a un bien à vendre. Et je dis bien harceler. Tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre pas de démarchage, pas d'agence immobilière, etc. Tous les fucking jours, tu vas avoir des gens qui vont t'appeler et dire « Bonjour, je représente une agent immobilière, on aimerait bien vendre votre bien. Laissez-moi vous expliquer. » Le truc, c'est que... Ah. Ouais, en ce moment, beaucoup de produits financiers se font fermer pour éviter les subprimes. What ? Il n'y a pas de subprime en France ? Je crois pas, si. Enfin, vraiment, le frais de notaire, c'est ça qui pique. Ouais, les frais de... Oh, nom de Dieu ! Putain, je te jure. Oh là là, m'en parlez pas. C'est des mots que je connaissais pas, moi, ça. C'est des mots que je connaissais pas. À 32 ans, j'allais faire le tour du monde. Donc, j'étais pas en mode 25 ans, j'ai une maison, quoi. Voilà, c'est des mots que je connaissais pas, bordel. Ah, j'aurais aimé les connaître à 23 ans, en mode... ouais, bah ok, je signe. Là, j'étais en mode... What ? Combien ? Vous prenez ça ? Et vous avez fait quoi ? Là, le PDF, là ? J'étais en mode, mais je le fais, votre PDF, moi. Ah là là,
Et ils te reçoivent et t'as rien à dire. Et faut les appeler maître, nom de Dieu. Maître, tu fais « Ah ouais, bah visiblement, moi sur Twitch, on me demande de changer, mais vous, c'est encore le Moyen-Âge. Excusez-moi, messire. Hein. » Oui, bah bien sûr. Hein. Franchement, j'ai le droit à un petit doigt dans le fion au moment où je vous donne les 20 000 euros, là, ou comment ça se passe hein. J'aimerais pas vraiment. Bah oui, bah. Bien évidemment, maître. Bien sûr, maître. Oh là là, hé hey. Et dis-toi encore que les notaires touchent plus grand-chose. Ouais, non, mais c'est l'État, au final. C'est l'État qui prend. C'est pas les notaires qui prennent énormément, quoi. Mais c'est le simple principe que... Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le service privé, ok ? Et le notaire, t'as pas le choix, tu vois ? Et moi, je suis arrivé dans un cabinet de notaire où tu sens qu'il n'y a pas de sens du client, quoi. On n'en a rien à branler de l'accueil. On n'en a rien à branler de la tâche sur le tapis, tu vois. Et moi, ça me met en rogne, tu vois. Le premier truc que je vois quand je vois ça par terre avec la tâche de café énorme, c'est de me dire « Qu'est-ce qu'ils en ont à branler ? Qu'est-ce qu'il en a à branler ?» Le mec, t'es obligé d'y aller, de toute façon. T'es obligé d'y aller. Voilà. Signez donc, Maro ! Oh, je te jure, franchement, à la fin, je faisais un peu la tronche, quoi. J'ai dit, dois-je signer avec mon sang, maître ? Je suis désolé, je ne porte pas ma bague pour... Pchit. Avez-vous de la cire, messire ? Aïe, 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 aïe. Il me met pas trop. De toute façon, tu payes et t'es obligé. Ouais, voilà, exactement. Non, mais moi, je vais commencer à faire... Je vais faire une chaîne YouTube, là, qui va s'appeler « Vous faites plus baiser ». Aïe, aïe, aïe. Nique le système. Ouais, bref. Anyway. Qui est propriétaire, là, dans le chat ? Qui est propriétaire et de quoi ? Faites-nous rêver. Plus un. Mi. Non. Moi, de mon PC et d'une C3. Ouais, mais c'est ton père. C'est ton père. Moi, maison 110 mètres carrés. Je suis propriétaire d'une Citroën AX. Oh, mec, franchement, Citroën AX, garde-la. Hein. Elle est bientôt voiture de collection. Moi, 50% sur la carte grise sur les voitures de collection. Ouais, je me suis renseigné. Ou un truc comme ça, je crois. Ou gratuite. Propriétaire de ma bagnole. Salut, si je me demande, tu pourrais être intéressé par Gentlemate, le team de Gotay Squeezie en tant que coach. Mais mec, mais faudrait qu'ils aillent sur Rainbow Six déjà, frérot. Tu fais quoi? À l'heure actuelle, c'est compliqué, quoi. Le budget des calcos et peintures qui viennent de mettre sur leur Formule 1, c'est le budget e-sport Ubisoft en France sur les 5 dernières années. Bon, faut arrêter. Moi, propriétaire d'un berger allemand de 12 ans. J'ai un rooftop à New York. Après, c'est pas un concours. Propriétaire d'un i5 1350 et d'une 3060. 1,51%. Ah, mais vas-y. Vas-y, sondage. Qui est propriétaire, qui est locataire ? Appartement 70 mètres carrés. Oh bah excuse-nous le Paco. Je suis propriétaire d'un appart à Grenoble que je loue à 3 étudiants. Ouais, et du coup. Mais attends, mais t'es propriétaire d'un appart à Grenoble que tu loues. Et toi, t'habites dans quoi ? J'ai un trafic 1 de 1984 perso aussi. Oh les vieux trafics ! Putain, ça a été utilisé par la gendarmerie pendant tellement longtemps ça. AX et collector, c'est clair. Oh là là, l'AX, quoi. Attends, mes parents avaient une BX pendant tellement longtemps. Propriétaire d'une BMW, c'est rien. Appartement 70 mètres carrés plus terrasse 25 mètres carrés en maison indépendante sur la Côte d'Azur. 220K ? 220K ? Mais c'est donné ! Mais c'était il y a combien de temps ? Mec, c'était avant le Covid. Avant le Covid. Nous, Nantes, c'est horrible. Hein. Voilà quoi. Il y a quand même la superbe ville de Saint-Nazaire qui a été élue quand même en 2021. Ville où avec le plus grand pourcentage d'augmentation sur l'immobilier quand même. 19%. Wouh ! Nano a 5 maisons, lui. Ouais, bah ouais. Hashtag gendarmerie. Bah moi, je vis à Madrid et je fais mes études là-bas. Trafic, camping, car pilote pour être précis.
Et le pa- et là, paf, locataire d'une cellule de prison. Non, prix actuel. Ce live, ça va finir en contrôle fiscal pour tout le monde, MDR. Bon, non, il n'y a personne qui a dit qu'elle lâchait des dingueries. Locataire de mon shoot sur Rainbow Six. Mes grands-parents étaient sûrement demeurés pour pas investir dans des trucs aussi obvious. Ah. Le truc, c'est que la pierre, ça s'est pas toujours bien, bien porté, quoi. Bah oui, franchement, et si tout le monde pouvait revenir en arrière, quand j'entends des trucs maintenant, des gens qui me disent « Ouais, bah là, le studio, franchement, 20 mètres carrés, je l'ai acheté 30 000 euros. » 30 000 euros. Avant, t'as acheté des appartements cash. Et c'est partout pareil. Hein. Si tu regardes aux États-Unis, ils ont le même problème. Hein. Avant, c'était un truc genre... Parce qu'en fait, on s'en fout du prix. C'est un pourcentage par rapport au salaire médian, quoi. Avant, je crois que c'était genre... Oh, je sais plus. Je crois que c'était un truc du genre... je sais plus. Il y a une dizaine d'années encore, la plupart des appartements, c'était 1 ou 2 ans de salaire annuel. Et maintenant, on est à 6 ou 10 salaires annuels. Donc, il te faudrait 10 ans sans manger. Aïe, aïe, aïe. Ah, il y a Nano. Bon, allez, vas-y. Hey. Barrons-nous, les amis. L'autre, il va arriver... Salut mec, vous êtes propriétaire de quoi? Ah bah ouais, moi je suis propriétaire de 10% de la Suisse. Hein? Ouais, vote terminé. Vous êtes propriétaire chez les parents? Vous êtes chez les parents, la majeure partie d'entre vous? Il y a des vieux quand même ici, non? Vous êtes tous chez vos parents? Bah alors, bande de petits fils de pute, ça ouvre sa petite gueule avec TikTok et tout. Franchement, comment devenir millionnaire? Je vais investir dans la crypto et tout. Ouais, bah. Aïe, aïe, aïe. J'ai une maison de 150K pour 220 mètres carrés, hein, plus un jardin immense. Ouais, mais où, mec? 250 000 euros pour 220 mètres carrés? Mec, t'es dans le fin fond de la Creuse ou quoi, là? 250 000 euros pour 220 mètres carrés. 250 000 euros, c'est un appartement de 60 mètres carrés, 50 mètres carrés à Nantes. Ah quoi. 36 ans, c'est vieux ou pas, 6-4? Non. Non, t'es vieux à partir de... 60. Hein. 60. Et encore, il y a des mecs à 60 ans, franchement, tu regardes Brad Pitt. Vas-y, il est pas vieux. Je vis chez ma copine qui est propriétaire. Ouais, bah toi, t'as tout compris, mec. Bravo, Cody. Bah, paye un sub, enculé. 350 000 euros pour 350 mètres carrés en région parisienne. Ouais, bah voilà. On fait des économies chez les parents pour investir dans Youngtis après. Mec, t'as une Citroën AX. T'investis. Aïe, aïe, aïe. Tu revends ta bagnole, tu peux acheter. Une banner à notre designer. 450 000 euros pour 350 mètres carrés. Oh la vache. Mes grands-parents étaient sûrement demeurés... Mais tu l'as déjà dit, RH. Je suis en Alsace, 6-4. Ah, mais voilà. Mais voilà, fallait le dire aussi. Mais qui habite en Alsace en même temps? C'est un peu nul, l'Alsace, non? Il joue à quelle heure, Youngti? Je suis fan. C'est bien, heureusement que tu payes ton sub, ton enculé, là. Il joue à quelle heure? Merci pour les 26 mois. J'y suis fan. Encore, là, il y en a deux de Neuchâtel, là. Excusez-nous, on parle entre français pauvres. Critique pas, Cara. Ah ouais, bah ouais, mais elle vit en Alsace. Mais elle finira pas sa vie en Alsace, hein. La pauvre. Dans le sud, avec le Covid, et du coup, le télétravail, les prix, c'est devenu n'importe quoi. Bah ouais, j'imagine. Je l'ai pas redit, il y a un bug, je pense. C'est incroyable, Basals, regarde les paysages. Et la mer? Elle est où, la mer? Bah non, c'est nul, l'Alsace. Y a rien, mec. À côté, y a la Belgique. Tu vois ce que je veux dire? Indépendamment des paysages et tout, c'est comme si on habitait tous à côté d'un asile psychiatrique, tu vois. Ouais, c'est peut-être joli, mais bon, là, c'est Arkham Asylum à côté. Émoticône souriant. Possible de check WhatsApp? Ah ouais, carrément. Merci Chaotix pour les 9 mois, t'es un monstre, poulet. Qu'est-ce qu'il m'envoie là? Toujours quand je suis en live, sérieux. Tu viens...
soit tu vois avec Axe Dynx et vous arrivez à faire un training sur la production, soit c'est moi qui gère. Parle pas, tu vis avec l'Atlantique. Les mecs, franchement, Nantes et Bordeaux sont officiellement les deux plus belles villes de France. Et ça, vous le savez. Au fond de vous-même, vous le savez. Vous le savez. Donc arrêtez, t'sais. Arrêtez, honnêtement. Arrêtez, en fait. Et il faut qu'on discute, honnêtement, une bonne fois pour toutes. France vierge. Ah oui, merde. J'aurais dû taper carte avant. Carte. Voilà. Ah ouais, ça c'est bon. Enregistrer l'image. Tac, desktop, bam. Edit. Ok. Discutons. Si je dois déménager. Si je dois déménager. Ok. Bon, déjà. Toute la partie Paris, là. C'est un non, tu vois. Paris, c'est de la merde. J'ai fait 8 ans. Non, il n'y a rien qui peut t'attirer à Paris, quoi. Franchement, rien du tout, rien du tout. Rien du tout, en fait. Si, l'aéroport, à la limite, tu vois. À Paris, région parisienne, c'est de la merde. Tu vas pas vivre là-bas. Tu vas pas vivre dans le nord, objectivement. Tout ce qui est frontière, là, genre, j'ai pas envie. Il fait... La météo, elle est dégueulasse. Tout ça, c'est un no-go absolu, tu vois. Donc là, c'est non. Là, au final, toute la Normandie, tu vois ce que je veux dire? Voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu... on va pas habiter là. Là, c'est pas possible d'habiter là. Enfin, quitte à choisir, tu vas pas te dire... Franchement, j'aimerais bien déménager à Lille. Qui a déjà dit ça, en fait, dans sa vie? Il y a personne à un moment... Moi, ce que je rêve, c'est de vivre au Havre. Franchement, j'adorerais vivre au Havre. Ah ouais, ouais, ah, le Havre de paix, peut-être, mais pas le Havre de Normandie. Ok. Pire exemple, le Havre. À Calais. Tu sais, quelqu'un te dit à Calais. Franchement, imagine un mec de Marseille qui voilà. Il est avec ses potes, il est en train de discuter. Et là, il leur fait « Bah, franchement, si j'avais la thune, moi, je me barrerais bien à Calais. » Ouais. Ah ouais, ouais, franchement, la vase, la pluie. Ouais, tu vois, bon, voilà. Ok, ensuite, vous parlez de Rennes et Nantes. Mais toute cette partie-là, elle sert un peu à rien. Non, mais je veux dire, quitte à habiter à Rennes, autant habiter à Nantes. Quitte à habiter à Rennes, autant habiter à Nantes. Rennes, c'est la version Wish de Nantes, ok? Il n'y a pas la mer à côté. Voilà quoi. C'est tout. Tu vois, c'est étudiant, c'est cool, machin. Ouais, la rue de la soif. Ouais, ouais, bah la rue de l'agression sexuelle aussi. Mais bon, on s'en fout en fait. La Bretagne, bon, ça peut être cool. Pourquoi pas? Surtout avec l'augmentation des températures, tu vois, qui va arriver. Mais pas le nord de la Bretagne quand même, tu vois. Quitte à te baigner quelque part... autant le faire dans l'Atlantique, quoi. Tu vas pas le faire dans un... Il y a des pingouins. Vous savez que si vous allez en Bretagne, là, ici, là, vous pouvez voir des otaries. Parfois même des ours polaires. Donc tout ça, t'y vas pas. Brest, c'est nul. Brest, c'est gris, de toute façon. À la limite, tout le sud, là, ouais, ça peut être pas mal. Vraiment, en plus, avec l'augmentation des températures, ça va être la nouvelle Côte d'Azur, ça.
Genre vraiment. Genre vraiment. On a des phoques en Normandie. Ouais, bah. What the fuck. Ok. Ensuite, tout le centre, toute la partie centrale. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu te dis... Quand tu te dis, quand t'imagines ta maison de rêve, elle est à la mer ou elle est à la montagne, mais elle est pas ni à l'un ni à l'autre, quoi. À quel moment tu dis, tiens, j'aimerais bien aller dans la Creuse. Hein? Le sud de la Bretagne va être la nouvelle Côte d'Azur, mais pour les riches. Ah, vraiment, hein? Ça, là, dans quelques années, bah avec l'augmentation du climat. Mais là, c'est fini, là. Ils vont terminer tous carbonisés, là. Eh, franchement, cet été, il va encore y avoir... Oh, bah il fait 50, quand même, à Montpellier. Alors, on va l'avoir, la carte de France. Donc ça, là, investissez là. Hein. Franchement... Oh, là, et là, c'est magnifique, en plus. Vraiment, là, tout le sud, là. Bob. Toute la Bretagne jusqu'à la Loire Atlantique. Hein. On le rappelle, la Bretagne va jusqu'à la Loire, hein, qui est ici. Hein. Donc, voilà. Et pas là, le petit truc au bout. Personne ne dessinerait la Bretagne en disant... voilà. Parce que, petit test, je demande à n'importe qui de me dessiner la Bretagne. Zéro personne me fait, c'est ça. Hein? Personne. Tout le monde a l'ancienne image de la Bretagne qui fait exactement ça. Et tu peux demander à n'importe qui connaît pas la Bretagne, tu lui dis, tiens, prends une carte vierge, dessine-moi la Bretagne. Ah bah c'est marrant, t'as mis Nantes dedans. Mais bon, bref. Merde, tout s'est supprimé là. Bon, on en était où? J'avais fait ça, j'ai enlevé Paris, j'ai enlevé tout le nord là. Oui, ça faisait ça à peu près. Ça, c'est zone rouge. C'est zone de merde. Hein. Je pense qu'on peut le dire assez facilement. Ensuite, toute la frontière avec la Belgique. Je veux dire, il y a un moment, t'es un peu tributaire de tes voisins, quoi. Est-ce que t'as envie d'avoir des voisins belges? À aucun moment. À aucun moment, quelqu'un s'est dit, j'aimerais bien aller m'installer à la frontière de la Belgique. Ça n'existe pas. Hein? Personne s'est dit, j'aimerais bien être frontalier belge. Dès que tu parles de frontalier, tu penses à un mec qui va s'installer là. Pas là. Ça n'existe pas. Luxembourg, bon, ouais, c'est pas un pays, le truc, c'est un département. Ils vont pas nous casser les couilles. Hein? Le Nord, c'est incroyable. Le Nord, c'est incroyablement pourri, ouais. Ok, voilà. Ensuite, il reste quoi? Bon, tout le centre. Comme je le disais, il n'y a rien. Tu vois? Aller en Auvergne, tu te sens tout seul, quoi. En plus, les axes en France, c'est quand même relativement ça. Merde, nique-toi, là. Les axes en France, grosso merdo, c'est quand même ça. Mais nique-toi, là. C'est ça, les axes en France, tu vois? Voilà, il faut penser à ça. À peu près, tu vois, à la limite, et forcément, là, jusqu'à là, Le Mans, Rennes, Nantes. Même si, bon, en vrai, je suis sympa pour Rennes, mais je les emmerde. C'est plutôt Angers, Nantes, jusqu'à la boule et Scoublac. Ah, bon, et là, je sais pas, franchement, de toute façon, bah, enfin... Voilà. On sait pas. Il y a le train? Vous avez le train là-bas? Le Mans, meilleure ville de France. Ah, je me suis pété une dent. Le Mans, meilleure ville de France. Il est trop drôle. Hey, Le Mans, meilleure ville de France. Mec, t'as jamais bougé pour dire ça. C'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. Le Mans, meilleure ville de France. Ok. Du coup, ensuite, il y a quoi? Après, il reste, honnêtement, les meilleurs coins de France au final. Ça va de là. Le Mans, meilleur ville. Oh mec, elle va refaire ma journée, celle-là. Le Mans, meilleure ville de France. Hein.
Aïe. Mais oui, tous les jours, meilleure ville de France. Et c'est ce que tout le monde se dit. À Toulouse, c'est rempli de gens qui se disent « Mais tu sais quoi ? Et j'aimerais bien habiter au Maine. » Au Maine ? Bon, ils parlent pas comme ça, mais... Ah, et le Maine ! Ah, les 24 heures, les rillettes ! Oh, et j'adore les rillettes ! Et j'adore les 24 heures ! J'aimerais bien vivre là-bas pour manger des rillettes et regarder du sport mécanique. À quel moment ? La Bolescu Black, future Côte d'Azur d'extrême riche. Ouais, d'extrême droite aussi un peu, mais d'extrême riche. Ouais. Ok. Caen, meilleure ville de France. Mais non, mais niquez-vous, arrêtez, vous êtes trop drôle. Ok, donc du coup, là, c'est pas mal. En vrai, toute la partie qui est là, là, bah, quitte à habiter quelque part, tu vas pas habiter, tu vois, tu vas pas habiter juste dans les montagnes, alors que tu pourras avoir les montagnes et la mer. Faut être sacrément con, quoi. À la limite, t'as Andorre qui doit être par là, là. Andorre la vieille, là, je sais pas où c'est, mais bon, bref. Hein. Bayonne, Biarritz, y a rien de mieux, honnêtement. Mais c'est si bien que ça, Bayonne. Moi, j'ai fait les fêtes de Bayonne. Franchement, c'est un peu petit, Bayonne, quand même, quoi. Hein. Nantes, c'est éclaté. Mais niquez vos races. Vous vous rendez pas compte à quel point Nantes... Si c'était si éclaté que ça, pourquoi tous les Parisiens y viennent ? Ok ? Voilà. Ensuite, moi, il y a toute cette partie de France qui m'attire énormément. Merde, nique-toi. Genre, tout ça, quoi. Attends, c'est où Lyon ? Il faut que j'enlève Lyon. Parce que Lyon, c'est quand même un truc de assez particulier. Lyon, c'est quand même un conglomérat de fils de pute, quand même. Si, si, si. Je pense qu'à un moment, dans l'histoire de Lyon, il y a tous les fils de pute de France qui se sont dit « Hey, on va s'installer là. Eh ben, vas-y. » on va être bien con et on va détester tous les gens qui sont pas de chez nous. Ok. Ah, bon plan. Ok, ici, il y a quoi ? Merde, putain, nique-toi. Attends, genre là. Là, on en parle. J'y suis jamais allé. Donc c'est peut-être... Voilà. Tout ça, ça sert à rien. Le Jura. Tu peux pas habiter là. Bah, je veux dire, déjà, tu vas marcher sur une mine ou une vieille bombe de la Seconde Guerre mondiale, tu vois. En plus, tu sais jamais si Angela Merkel, là, elle commence à se rappeler un petit peu de 2-3... Elle commence à regarder 2-3 films de sur Netflix. Elle commence à se chauffer un peu avant de die, là. Elle nous fait un grand tout droit, elle nous revient nous recasser les couilles et tout. C'est bon, quoi, t'as pas envie d'être là. Et du coup, l'immobilier va à côté de la ligne Maginot, c'est mort. Tu peux pas habiter là. On est d'accord. Ok. Donc du coup... Il reste... Là, après, le problème de là, le problème d'ici, les amis, là. Ici. Déjà, quitte à choisir la mer, prends une vraie mer, quoi. Là, c'est quand même... Ah, c'est quand même tous les fils de pute. Quoi. Qui a envie de vivre à Marseille ? Il y a que des gens qui a envie de vivre à Marseille ? Tu vois ce que je veux dire ? Il y a personne qui se dit « j'aimerais bien vivre à Marseille, tu vois. » Ils se disent « aller dans le sud, mais pas Marseille, quoi. » Ah, tu connais pas les plages du Var, toi, ça se voit. Hein, les plages du Var. J'ai pas dit. Ouais, mais peut-être, il y a 2-3 endroits et tout. Mais est-ce que là, c'est pas quand même un peu un rassemblement de vieilles putes friquées russes ? Je ne veux pas tomber dans les clichés. Loin de moi l'idée de tomber dans les clichés aujourd'hui. Mais un peu quand même. C'est pas que de la vieille peau, là. Moi, je peux pas. Déjà, par exemple, la Baule, là. Vous voyez ? Ici, là. La Baule, attends, faut bien le prendre parce qu'au-dessus, il y a Basse-sur-Mer. Moi, c'est pas possible, quoi.
Labo, c'est comme l'Esch Cap Ferret là. Oh là 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 là. À la limite, tu peux même remonter à la Cano là. Oh là 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 là. Oh, le rassemblement de tous ceux qui ont fait de la thune à Nantes viennent à la Baule. Tous ceux qui ont fait de la thune à Bordeaux viennent à la Cano, quoi. Le rassemblement des fils de pute, quoi. C'est Nice. Si tu dis un truc vrai à Cannes, Nice, etc., il n'y a que ça. Ah, je le savais. Je le savais. Et Montpellier, Toulouse, tout ça, ça va être rayé de la carte avec l'augmentation de la température. Tu te rends pas bien compte du niveau de tourisme à Marseille. Oui, ok, mais bon, certains appellent ça tourisme, d'autres appellent ça immigration, les mecs. Après, je suis pas là pour juger. Mais tourisme, tourisme, n'est-ce pas un bien grand mot? Ah, je vais me faire plein de potes aujourd'hui. Je devrais faire un petit sketch quand même. Non, tourisme. Tu sais pas ce que tu rates en Alsace. Viens au Québec sinon. Non, la Bretagne, ça vous gagne. Six Zemmour 4. Eh oui, ce soir, donc du coup, Youngtis jouera contre Zemmour Gaming. Oh, yeah. Non, plus sérieusement. Le tourisme à Marseille, c'est qui? Majoritairement, honnêtement, le tourisme à Marseille, c'est qui? C'est pas des Russes? T'as vraiment pas assez voyagé pour dire ça. Ah si, les mecs. Bah, en France, non, là, j'ai jamais foutu un pied là-bas. Mais voilà, quoi. Après, toute la partie, là, elle m'intéresse un peu, tu vois. Pyrénées à côté, là, ça peut être sympa, tu vois. Ici, là, ça peut être pas mal. Là, tout ce qui est, je sais pas, la Narbonne ou je sais pas quoi, ou Carcassonne, ça parle un peu comme ça, tu vois. Hein? Là, ça peut être... Là, t'as les Pyrénées et la mer. Et Perpignan, et... bon, à part l'accent. Aïe, 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 aïe. Oh là là, là là là. C'est obligatoire, les mecs. Les mecs qui sont du sud, là. Genre, c'est genre obligatoire que vous martyrisiez comme ça la France et la belle langue qu'est la France avec votre accent absolument horrible. Hein? Sur Finistère, c'est le feu, les plages et l'alcool, bien sûr. C'est des clichés que tu prends, fais ton propre avis de chaque zone rouge. Tu verras, tout n'est pas forcément comme tu le penses. Non mais là, c'est toute la météo, mec. Là, le rapport du GIEC, ok? Là, vous allez tous cramer, en fait. Là, c'est pas moi qui me dis, c'est pas des clichés, pour le coup, tu vois? Ou alors c'est des clichés, mais de satellites, en fait, tu vois? Hein? Là, vous allez tous brûler, en fait. Vous avez commencé à dire, ouais, bah, c'est vrai que moi j'aime bien l'écologie, mais bon, 45 degrés, j'ai peut-être envie de me prendre une clim quand même, tu vois. Donc au final, bon, rouge là, tu vois. Rouge là, Lyon, clairement rouge. Oh là là là, grosse ville d'enculé. Grosso merdo, si demain je vous dis. Vous avez de la thune, vous pouvez aller vous installer en France, vous allez choisir à 80% de chance une région qui est dans le vert là. Il a rasé 90% de la France. Si. Allô, hein? Pas du tout. Dans le Var, sans hésiter. Franchement, dans le Var... Non, mais en vrai, je suis allé en Ardèche, là. L'Ardèche, je sais pas où c'est. Mais genre, c'est le Var, l'Ardèche? Ah non, c'est l'Ardèche, l'Ardèche. Mais c'est pas très loin. Il y a une partie, là, à la limite, tu vois, genre par là, là. Il y a une partie, là. Là, ça doit être intéressant, quand même. Mais j'ai peur de la chaleur, quand même. Faut une bonne clim, quoi. Prends un T12 sur les Champs-Élysées. J'ai la famille déjà dans les Landes. Non, mais ça, c'est... Non, mais ça, je suis désolé, mais bon. Franchement, honnêtement. En vrai, on se rendrait tous un fier service, tu vois. Genre, vraiment. Tu vois,
par rapport aux Champs-Elysées et trucs et tout, tu vois, j'incite rien du tout, hein, si vous avez des connaissances. Mais si on raye cette partie-là de la carte, genre boum, tu vois, Poutine il se fait chier, tu vois. Honnêtement, de vous à moi, bombe qui arrive, bam, terminé Paris. Toute cette partie-là, rayée de la carte. Au début, on est tous là, oh la vache, qu'est-ce qui va se passer? Et après, réfléchis bien quand même. Réfléchis, c'est bien. Le gouvernement, tout. Tout, c'est quand même la possibilité, c'est la plus grande concentration de fils de pute de France. On le sait, tout le monde le sait. Tu rayes ça derrière, on se regarde tous en mode... Oh, franchement, le trou que ça a laissé, au final, c'est pas si mal, hein. Hein ? On est d'accord ou pas ? Ouais, surtout pas parce qu'on va se taper les Parisiens à l'année. C'est quoi la proba que je sois dans la zone verte ? Oh mon Dieu, un fou. Voilà ! Donc, écoutez, votez pour moi. Voici mon programme pour les prochaines élections présidentielles. Ok ? Voilà. Petit TikTok. Macron, notre guide, notre sauveur, ne sera plus là, donc je valide. On est d'accord ou quoi ? Honnêtement, derrière, si on fait péter ça, on met... Où est-ce qu'on met la capitale ? T'as oublié la Corse. La Corse, je sais pas, ça a l'air d'être quand même ouf, quoi. La Corse, vous voyez, la Corse, c'est exactement comme Lyon. C'est exactement comme Lyon. Non, je sais ce qu'il faudrait. Ce qu'il faudrait sur la Corse... Bougez pas, j'ai un plan. Attends. Genre, tu vois, merde, ça a pas marché le PNG. J'arrive. Ah voilà. Mais nique-toi là, putain, bah ouais, y a pas de transparence. Genre, une petite pandémie, tu vois. Non, genre sérieusement. On peut se parler sérieusement ? Genre, tac. Attends, je vais faire une légende quand même. Tu vois. Genre, petite pandémie de la Corse à différents endroits quand même. Un truc assez géolocalisé. Genre, là, tu vois. Et là. Non, nique-toi. Là. Et sur Lyon, tu vois. Lyon. Juste un truc très centré, tu vois. Je sais pas. Comme dans le dernier James Bond. Un truc qui tue tous les Lyonnais. Terminé. Tous les Corses. Vrai schéma, un truc basé sur leur accent tout pourri, là. Franchement, là, en Corse, on est bien. Pop, le mec, rip. La Corse est vide. Et on est bien. On est d'accord ou pas? On met une bombe. On fait péter ça. Petite pandémie ici, quoi. Avec 2-3 endroits, à la limite, on peut rajouter Lèche-Cap-Ferret, quand même. Gros bastion de fils de pute. Labo, les Scoublac. Ok, à la limite, je sais pas où c'est, mais Deauville, qui doit être quelque part par là, on s'en fout de toute façon, tu vois. Voilà. Petite pandémie sur ces endroits-là, très ciblés. On en parle de l'accent normand, faudrait un truc local aussi. J'avoue que les gens en Corse, vraiment, leur accent, c'est horrible. Bah ouais, bah du coup, tous les Parisiens vont aller en Corse. Mais non, souviens-toi. Eh. Hey. Ah ouais. Franchement, on fait ça pendant les Jeux Olympiques de 2024, là, tu vois. Quand ils vont tous être sur leur trottinette. Oh, franchement, tu vas faire quoi? Je vais regarder une compétition des streams. Tu vois. Et là, bam. Zbla. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, vous vouliez un truc vintage? Bah ouais, bah, vous avez pris une bombe atomique, bande d'enculés. Terminé. Rideau. T'as oublié le touquet. Ah, mais je sais pas où c'est, le touquet, quoi. Je sais pas où c'est. Mais en vrai... Ça, là, ça, c'est la France que j'aime. Ça, c'est la France que j'aime. Puis c'est clair, en plus. Vous voyez ? Non ? Vous pensez pas ou quoi ? Lyon et le Cap Ferret. Non, franchement, non. Qui habite à Lyon, ici ?
Est-ce qu'il y a des gens qui sont lyonnais et qui peuvent quand même avouer que quelque part, je sais que ça va pas être facile pour vous à avouer, mais quelque part, vous êtes un peu des fils de pute. Allez, allez chercher ça au fond de vous. Que vous êtes un peu des gros cons, quoi. Ça, c'est, je sais, ça gratte un peu. Mais vous pouvez le faire. Vous êtes des gros cons. Lyon, tout le monde arrive en mode « c'est sympa ». Bon, à part la gare, parce que la pardieu, nom de Dieu. Oh, la pardieu, quoi. « je suis arrivé. Eh, wesh, frère, t'as pas une... » »« Ouais, bah ouais, je sors de la gare, monsieur. » Ok. Oh, la pardieu, quoi. Franchement. Oh. Faut déporter les Corses à Calais et faire des combats corses. Ouais, ça, c'est pas mal, ça. T'as beaucoup d'amis, Six, question comme ça. J'en ai plus aucun. Je ne sais pas pourquoi. J'ai habité à Lyon et supporter lyonnais depuis petit. Mais non, vive Lyon. Les gros cons, c'est les bastions d'extrême droite. Non, oh, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, franchement. Je sais pas. Quitte à vivre par là, tu vois, autant vivre vers Annecy ou là, tu vois. Lausanne, je sais pas quoi, là. Évian-les-Bains, là. Il y a Évian-les-Bains, tu vois. Hein? Bah ouais, les... Bah ouais, mais les bastions d'extrême droite, il n'y a que ça à Lyon. Je sais pas, de vote par département élection présidentielle. Vous votez quoi à Lyon, vous ? C'était en quelle année ? C'était quand les élections présidentielles ? 2022. Attends. Ouais, faut peut-être qu'on se rend... Il faut peut-être qu'on ajuste 2-3 trucs avec ça. C'est... Putain, c'est pixel, hein. Non, vas-y, remets. Oula, ta-ta-ta. Bon, on voit bien, hein, c'est très... Franchement. Candidat arrivé en tête au premier tour de l'élection. Emmanuel Macron. Putain, non, les Lyonnais ont voté Macron, quand même, hein. Paris a volé Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Eh, d'où ? Eh. Je pense qu'il y a un lien, quoi. Non, franchement, Jean-Luc Mélenchon. Mais il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. Mais il y a un moment... C'est comme Didier Deschamps. Faut faire quelque chose au niveau de la dentition, non ? Hein ? Vous pensez pas ? Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir un président, tu vois, qui arrive... Et Poutine, je pense que si c'était Jean-Luc Mélenchon, il aurait fait wow, tu vois, wow, ne rigole pas, et il nous aurait massacré. Le Nord, c'est Le Pen, Six, tu viendrais pas du Nord ? Mais t'es ouf ou quoi ? Mais moi, je suis pas du tout d'extrême droite, les mecs. Mais vous êtes ouf ou quoi ? La dernière fois, je vous parlais de François Ruffin. Ouais, moi, je suis d'extrême rien du tout, moi. Zéro extrême, hein. T'as les régions qui ont voté Le Pen sont frontalières. Bah ouais, non mais eux, ça leur rappelle des trucs, quoi. Eux, ça leur rappelle des trucs. Putain, je savais pas tout ça. Hein. Et la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion. Y a que Mayotte. Mayotte. Oh fuck. Voilà quoi. Il est extrêmement centriste. Moi, je suis extrêmement... J'y crois pas du tout, en fait. Hein ? Je suis extrêmement... Je m'en bats les couilles. Je suis désolé pour ça. Là, c'est très premier degré pour le coup. Je suis extrêmement... Je m'en bats les couilles, d'accord ? J'aimerais juste savoir quel est l'investissement, quelles sont les banques qui sont derrière cette personne et cette personne. En fait, c'est... Voilà, là, on a trois jolis pantins, tu vois. J'aimerais juste savoir quels sont les groupements et les intérêts financiers qui vont payer pour eux et qui, de toute façon, feront ce que on leur dit de faire. Point. Voilà. Anyway, ça, c'est mon truc, tu vois. Des banques russes, bah ça c'est Marine, ça. Hein. Pourquoi avoir un système de parti qui confronte les gens ? On devrait faire fonctionner les choses ensemble. Absolument, Black Knight. Ensemble, prends un sub, enculé. Hein. Quitte à élire un incompétent, autant voter la salle et se taper une barre pendant 5 ans. Franchement... Oh, franchement, ça pourrait être drôle quand même. La petite, là. La petite. Hein. Six, en vrai, un débat sur les zones en France, mais s'installer à l'étranger ne serait-il pas la clé du bonheur ? Mais je pense que le problème de la France, c'est que le plus grand rassemblement de gens qui n'aiment pas la France, il est en France.
En vrai. Premier degré. En vrai, je crois que les gens qui n'aiment pas trop la France sont des gens qui n'ont pas vraiment voyagé. Hein ? Voilà quoi. Déjà, en habitant dans n'importe lequel de ces territoires, t'es déjà mieux que 65% des personnes de cette planète. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ok ? Et en vrai... Regarde, géographiquement. On a tout, on a les montagnes, on a le ski, on a tout en fait. Il n'y a aucun pays au monde, qui a ce qu'on a sur un si petit territoire. Tu vois ? La Suisse. Les mecs, la Suisse. Tu vois, regarde la Suisse là. On dit ah, la Suisse, parce qu'ils ont plein de thunes, tu vois ce que je veux dire ? Les mecs, leur océan, c'est le lac Léman. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Leur océan, c'est le lac Léman. Vous voyez ? Si un jour vous êtes dit, moi j'aimerais bien rentrer dans la marine marchande. Lac Léman, mon gars. Ah ouais, bah ouais, franchement, je vais voir du pays. Bah ouais, tu vas voir Lausanne en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? On a le best climat. Le climat est bien. Franchement, c'est tempéré. Tu peux choisir, tu vois. En Espagne, tu peux plus choisir. Les trucs, c'est des lézards, les mecs. Ouais, dans 2 ans, les mecs, ils ressemblent tous à des chipsters. Hein ? On est d'accord ou pas ? Au-dessus, c'est trop haut. Ouais, tu vois. En dessous, voilà quoi. À la limite, ouais, et puis encore l'Italie. Comme si tu connaissais bien la Suisse, 6-4. Bah, je sais pas, mon parrain est déviant les bains, quoi. Après, je connais pas bien la Suisse, quoi. Mais bon, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes écoles pour voir que vous avez pas la mer. À moins que je ne me trompasse. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait la mer. Je connais pas énormément de surfeurs professionnels de la Confédération Helvétique. Ça, c'est un fait, tu vois. Il y a un moment, voilà quoi. Je pense pas que ce soit un Suisse qui a inventé le wakeboard. Hein ? Donc, il y a un moment, on veut bien, mais bon. Tu sais ce que j'ai à dire sur la Suisse, c'est que les Suisses allemands sont des gros tocards. Putain, la vache, fais gaffe, il y en a un ou deux dans le chat. Non, on a juste le meilleur pays du monde. Non, genre vraiment. Il n'y a aucun pays qui est au-dessus, quoi. En termes de balance, en termes d'équilibre, aucun pays est au-dessus. Aucun. Peut-être les States, à la limite. Mais bon, les States, quoi. Les States, tu vois. Est-ce que t'as vraiment envie que ton enfant de 12 ans apprenne l'algèbre et à tirer avec une M4, tu vois. Par contre, les impôts. Mais les mecs, vous êtes déjà allés en Belgique ? Vous êtes déjà allés en Belgique ? Ok ? Faites un jour, allez à la Louvard, ok ? Allez à Charleroi, les mecs. Vous allez le savoir quand vous avez passé la frontière. Déjà, il y a un truc de l'ex-Union soviétique, là. Tu sais pas d'où ça sort, c'est dégueulasse, ok ? Mais toutes les 300 mètres, il va y avoir attention, nid de poule. Attention, nid de poule. Attention, nid de poule. Tous les 300 mètres sur l'autoroute, t'es à 110. Pas 130. T'es à 110. Tous les 300 mètres, il y a des nids de poules. Tu fais, mec, va peut-être falloir payer vos impôts. Dit-il alors qu'il a éliminé 80% de la France il y a 10 minutes. Le problème du pays... Mais non, mais c'est juste, j'ai éliminé 80% de la France pour me dire si je devais déménager, où est-ce que j'irais, en fait. Tu vois ? Où est-ce que j'irai ? C'est où les dream... voilà, quoi. Les dream place, quoi. J'habite quartier Molenbeek. Hein ? Quoi ? Parle pas des États-Unis. Ils savent même pas situer leur pays sur une carte. Ouais, grave. En Bretagne ? Bah oui, le Guise. Bah, c'est pas à Versailles. Le Guise, quand est-ce que tu te barres, là, de Versailles, un peu ? Ça a bien... faut arrêter. Viens donc vivre par là, vous serez bien avec la famille. Tu vivrais en Suisse, 6-4 ? Non ? Ben non, franchement. En Suisse, mon gars ?
Ben non, autant être frontalier, quoi. Autant aller vous piquer votre thune, là. Revenir dans un vrai pays, tu vois. Hein ? J'ai visité le Maroc et il y a de tout. C'est-à-dire, comment ça, il y a de tout ? Vas-y, je lance le jeu. Il est 19h, putain la vache. À cause de vous, là, tout ça, là. Je vous ai tenu sur une carte de France pendant une heure, quand même. Je suis vraiment un monstre. Je suis vraiment un putain de créateur de contenu, mais ça personne ne le sait. Mais ça, ça me vénère. Ok, je lance. Viens à Marseille, Six. Mais non, jamais de la vie, franchement. Jamais de la vie, j'ai envie d'aller à Marseille, quoi. Non, mais dans le Var, tu vois. Mon pote qui est en Ardèche. Genre véridique, il n'y a plus de second degré, là. Mon pote qui est en Ardèche. C'est chouette, l'Ardèche. Non, genre vraiment. C'est vraiment chouette, quoi. C'est vraiment, vraiment chouette. Honnêtement, Six, toi qui as fait le tour du monde, est-ce qu'on a de la chance d'être en France ? Mais bien sûr. Mais c'est le meilleur pays au monde, en fait. Et les gens, ils pensent que je dis de la merde, mais c'est le meilleur pays au monde. Et objectivement, je pourrais dire c'est de la merde et tout, vous avez raison, barrez-vous et tout, mais c'est le meilleur pays au monde, en fait, la France. Tu compares, donne-moi un autre pays. Un autre pays, il faut parler de l'aspect géographique, d'accord ? De la sécurité, Enfin, c'est le meilleur pays au monde, tout en fait. Les Suisses ont voté pour payer plus d'impôts. Ah ouais. Non, le problème, c'est les habitants, 6-4 en vrai. Non, mais non. C'est juste qu'on est un peu bougon, quoi. La France, par rapport à d'autres pays, on est un peu bougon. On est un peu des éternels insatisfaits. Un peu, quand même. Et on est les premiers à critiquer la France. Tu vois ? Ça, c'est un peu relou. Je pense que... Voilà, quoi. Parfois, je me dis... Quand je regarde les voitures autour de moi, je me dis, putain, la vache, mais on roule tous dans des bagnoles allemandes, quoi. On est matrixés par les bagnoles allemandes. Parce que, c'est du solide. Ah ouais, tu m'étonnes. Il y avait c'est un mec à la moustache qui a fait Volkswagen. Et à côté de ça, nos bagnoles françaises, on est en mode ouais, franchement, c'est un peu de la merde. Beaucoup, quoi. Tu donnes à une personne, tu lui dis bah prends, serre-toi, prends une bagnole, il va pas te citer une bagnole française, quoi. Et Porsche. Porsche. Non, il n'y avait pas de lien entre Adolf Hitler et Porsche. Ferdinand Porsche, oui. Enfin, non. Porsche, c'était surtout qu'en fait, il équipait la plupart des chars d'assaut. Genre, à partir du Tigre 1 et du Tigre 2. Le Tigre 2 avec tourelle Porsche. Bah oui. Bah franchement, en revanche, non mais là, je fais souvent des blagues de merde et tout. Premier degré. Ok, premier degré. Ce que je vais dire, c'est premier degré. Toute entreprise qui existait avant la Seconde Guerre mondiale et qui existait après la Seconde Guerre mondiale, toute entreprise a eu des intérêts pendant la Seconde Guerre mondiale. Tous, d'accord ? Regarde l'histoire d'IBM, ok ? Regarde l'histoire d'Hugo Boss, franchement. C'est quand même incroyable que des gens s'habillent en Hugo Boss. Tu dis ok ? Ah d'accord, ok. Je me dis, c'est le principe de la cancel culture, quoi. Mais les gens s'habillent en Hugo Boss. Moi, ça me dérange pas. Mais on est matrixé par ça, quoi. Hugo Boss, ouais, il faisait des bons trucs, quand même. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Seul civil à avoir reçu la plus haute distinction militaire pour ses uniformes nazis. C'était des bons costumes. Siemens. Tous. Check IBM. C'est incroyable l'histoire. Genre vraiment. Tous en fait. Regarde tous. Donc bon. Même les Américains ? Mais bien sûr. Mais les Américains, c'est des gros fils de pute. Les Américains, ça faisait des années qu'ils savaient ce qui se passait et tout. Et tant que ça n'a pas touché leurs intérêts, ils ont rien dit, tu sais. Ils gardaient la thune et tout. Oui. Oui. Toutes les personnes
Dès que les U-boats ont commencé à niquer leurs navires de commerce entre la France et entre les États-Unis et l'Angleterre, c'est là qu'ils ont commencé à dire attendez, on touche pas à nos navires de commerce. Merci Warm pour les 21 mois, merci Docteur pour les 7 mois, merci Mazuta pour les 2 mois, merci Chaotix pour les 9 mois. Anyway. C'est surtout Pearl Harbor qui a fait entrer l'angle. On parle des États-Unis et enfin le problème qu'ils avaient avec le Japon, c'était quand même autre chose. Quand bien même il y avait un jeu d'alliance, etc. Pff, s'ils avaient vraiment voulu segmenter, ils auraient segmenté, je pense. Tu vois. Un bon écran de 140 Hz, je sais pas poulet. Asus, AOC, BenQ. Asus et BenQ en tête, je pense. En termes de ce qu'on voit tout le temps. Bon du coup, parlant sérieux, tu veux faire quoi de tout ce que je te dois? Tu me dois combien de subs là? 600 subs. Ça représente combien 600 subs en thunes? 1500? Mais non, pour lui. Non mais c'est trop mec. Mais non, mais qu'est-ce que tu dis? Mais ce que ça représente, frérot, qu'est-ce que tu racontes, 1500? Ne renforcez jamais ça, les mecs.
Planting, no? Valk, go, 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 bro, go, go, go. GG. Ah bah ouais, avec ton Flores, t'as cru qu'on t'avait pas entendu? 600 blazes à dire. 600 x 4, ça fait 2004. Oui, mais lui, en... je pense que ça fait plus cher en franc-suisse. Non, c'est juste... C'est ce que t'as dit la dernière fois. Moi, je fais que 5,99 en Suisse. Non. Mais 5,99, c'est CHF. Tu me conseilles ton casque Six ou un autre? Ouais, mon casque, c'est de la bombe. Pour l'exclamation setup, les amis. J'ai installé un VPN. Ah, bah oui. Merci Biflator pour les 3 mois de frais de scolarité. Et à raison. Merci Warm pour les 21 mois, t'es un monstre. Transuite 776.42. Alors non, même prix que chez vous, sinon je me mets au Maroc. Mais tu peux pas te mettre au Maroc, mec. Si tu fais 600 subs du Maroc, à mon avis, t'as la gendarmerie marocaine qui te tombe dessus, quoi. C'est l'équivalent du PIB marocain, quoi. Faut dire ce qu'il y a. Wow, 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 6! En vrai, ça change de changer le VPN ou quoi? Ça change de prix? Sachez que j'ai contacté Logitech pour avoir une souris. À un moment, non? One on site. I think one on my ping one. Vas-y la flemme.
Ouf. C'est quoi ce petit fraîchette avant que j'y aille là? 100 cam. J'ai trouvé un mec sur eBay qui a un stock de MX518 mais il n'en voit pas en France. Oh mais j'ai carrément demandé à Logitech. Je suis allé voir le... Je lui ai dit écoute, ça fait 25 ans que j'utilise vos produits. Je demande pas grand chose. Mais alors si vous pouvez me choper une MX518, je suis prêt à la payer. Je te propose que je te fasse 2000 en don. Qu'est-ce que t'en penses, 6-4? Ah ouais, donc du coup, c'est passé de 2004 à 2000. Ah ouais, donc tu tiens pas ta promesse? Visiblement, ouais, ouais, 2400 euros, franchement, mais je claque ça par jour pour ma gonzesse, c'est la thune pour qu'elle aille s'acheter une baguette de pain, ça coûte 2400 euros en France, en Suisse. Bon, 2004, non, je déconne, Nano, tranquille. Attends, on discutera de ça. Mais il est con, quoi, tu vas pas faire 2400 euros de dons. Quel sac à vomi. Pourquoi tu dois à 6, Nano? Mais non, mais on en reparlera. On va pas filer 2000 balles. T'as déjà bien assez donné. Pense à tes enfants un peu. Ça change rien en soi, 2000 ou 2004. Nique ta mère, Nano. Arrête de faire ton gros fils de pute, là. Y'a des gens qui votent Jean-Luc Mélenchon ici, ok? Respecte-les, d'accord? Arrête de faire l'étalage de ta suprématie helvétique. Oh, mes mouvements sont dégueulasses. The last one, yellow, inside the yellow, the other one is dead. Behind the pillar. Nice. Thank you for stealing my... Yellow! It is yellow! And you can plant because you're on the site. Very good, flawless! S'ils parlent pas, ils sont français. C'est sûr et certain. Flores, you have 1000 sensitivity. Wow, what the fuck? This is not War of Tank, man. Very good, guys. Love you. GG, 6-4. Envoie-moi une de ces anciennes MX518, je te la répare et customise-en avec un nouveau câble et des nouveaux switch. 6-4. T'es sérieux? Toi, tu fais ça, toi. Moi, j'en ai rien à foutre, hein. Du nouveau câble, hein. Le câble de la MX518, il n'a jamais lâché. Là, j'ai un problème avec le capteur de celle-là. Parce que je pense que c'est une copie, en fait. Bah sur AliExpress, des MX518, 32 de balles, je sais pas si c'est la vraie boutique Logitech. Il est là le problème. J'ai exactement demandé ça à Logitech tout à l'heure. Je leur ai dit, hé les gars, ce qu'on trouve sur AliExpress, c'est pas ce avec quoi je me suis retrouvé. Acheté à boulanger, hein. La version normale, tu vois. Packaging normal. Attends, mais on voit rien là. Ça, c'est celle qui est cassée. Bon, désolé pour le green screen. Ok. Et ça, c'est celle achetée sur AliExpress. Merde. Bah, enfin, non, je ne l'ai pas achetée sur AliExpress, autant pour moi. C'est celle que j'ai achetée à Boulanger.
Tu vois? Avec... voilà. Et voilà, c'est tout, quoi. Bah, je pense que c'est le packaging chinois. À la base, quand je me suis dit ça, c'est bon, bah, je me suis dit, c'est normal, voilà. Qu'il y a un packaging aussi prévu pour la Chine. Mais... comme par hasard, le capteur est un peu off. Le symbole japonais c'est marqué en tanique. Enfin là, c'est pas vraiment écrit en japonais. Là. Les gars, si vous faites pas la différence entre du chinois et du japonais, les gars, je peux plus rien pour vous. Mais là, c'est du bon gros mandarin quand même. Il y a marqué quand même, en là, je traduis ce qui est marqué en tout petit en dessous. Original, authentique. Sur le sticker. Si c'est marqué... Il y a un sticker. Original, authentique. Hein. Moi, j'y ai cru. Hein. Va chez SteelSeries, mais jamais de la vie. Je vais chez SteelSeries, les mecs. En vrai, je devrais appeler... je devrais donner la référence de la souris à Logitech et leur dire est-ce que le serial number, ils le trouvent ? Parce que là, tu vois, là, c'est marqué « Made in China ». Ok ? Et l'autre, c'est marqué « Importé Logitech Europe SA nananana Pays-Bas ». Mais je suis... Enfin, c'est, pour moi, c'est logique que ce soit pas le même packaging, quoi. En revanche, tous les trucs... À droite, tous les trucs recyclage, trucs... recyclage CE, normes CE et tout machin. Là, bah y'a rien. On s'en bat les couilles. C'est le même carton. Et voilà. Là, il y a marqué 2 Year Manufacturer's Guarantee et l'autre, c'est marqué 2 Years Limited Hardware Warranty. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je ne sais pas. En attendant, j'ai demandé à Logitech. Et on voit bien que c'est pas tout à fait pareil, quoi. Il y a combien d'écrans d'écart, d'années d'écart entre les deux achats? C'est la même année. Je répare les téléphones de toute ma famille, donc une souris easy à réparer comparé à un tel. Mais tu changes le câble, tu sais customiser de la souris. Tu pourrais réparer le clic droit, tu vas le trouver où? La CE de derrière, il faut faire attention car le truc chinois est similaire et c'est volontaire de la part des chinois. La taille de la barre du E est différente. C'est là qu'on voit la différence. Hein ? Entre quoi et quoi ? Non mais sérieux, tu veux faire quoi ? Faire quoi, Nano ? Faire quoi ? Qui tout double ? 1v1, maintenant. Un V1, j'ai le droit qu'au pistolet. C'est mort. Je suis pas ivre. Mais justement, profites-en, t'as un bon niveau de jeu. C'est bien une G Pro X Lightspeed ou tu conseilles autre chose? G Pro X Lightspeed, ouais, c'est de la balle, franchement. C'est des bonnes... Franchement, je suis désolé, mais moi, je suis très fan de Logitech, quoi. Malgré le fait qu'il y ait quand même de la merde, parfois, et que je tombe un peu sur de la merde. Je suis un peu... Pas matrixé par la map, mais... Parce que...
que bon, ils ont toujours été cool avec WAM. Le SAV, bien avant d'être un influenceur, j'ai jamais eu de problème avec le SAV. Bon, voilà quoi. J'aime bien le nouvel open space là, beaucoup plus clair qu'avant. On peut moins se planquer comme une grosse pute. J'adore cette map en fait. Can you hold my ground, bro? Il y a plein de tutos sur YouTube pour réparer une souris, moi j'ai appris comme ça. Oui, si le switch est mort de ton clic, il y a juste à trouver une référence d'un autre switch où t'aimes bien le ressenti. Et pour le câble, c'est vraiment facile. Non mais moi je suis un vieux papy mec, je veux la même chose. Il n'y a pas de « ouais, je t'ai mis des switches en carbone et en titanium ». C'est pas mal parce que ça te permet de gagner 3000... Non, je m'en bats les couilles, je veux la même chose en fait. Je veux le switch officiel de la MX518. T'habites où, Jaeger Bomb? Après, si tu me la customises et tout, mais tu fais des trucs de ouf ou quoi? Ou tu t'es juste en mode réparer et changer le câble? Parce que changer le câble, c'est une petite... J'ai déjà vu à l'intérieur, c'est plugué quoi en fait. C'est juste un... Il y a une prise en fait. Un truc avec 3-4 pins là et puis en avant. MDR, non, juste pour mon matériel, je le fais. Et t'habites où? Prends un G Pro, tu seras tranquille des années. Mais arrêtez avec vos G Pro, les mecs. Vous me cassez les couilles, les amis. Avec tout le respect que je vous dois, les amis, je suis vieux. Ok. J'ai pas de réflexe. J'éteins 98% des joueurs de ce jeu avec une souris de 120 grammes. À un moment, les gars, il faut copier les bonnes personnes, quoi. Moi, j'ai un gros stopping power, les gars. Ça, c'est avec ta G Pro là. Ouais, ça glisse bien et tout. Ouais, ça glisse bien, mon gars. Ouais, regarde. Ça nous a fait perdre de la première place de la Gamer Assembly. Non, j'espère que ça glisse, frérot.
trop simple de planter là, là. C'est trop cool, franchement. You're so good. En ce moment, en Normandie. Ah, Emo fait des customisations sympas aussi. Des petits yeux sur les touches. What? Vrai homme fait des tresses avec ses points de avec ses poids de sgeg. Un vrai homme fait des tresses. Un vrai homme, ça se rase la teub, les mecs. Y'a rien de beau dans un poil, franchement. Ouais, d'accord, ok, franchement. Ok. Ça, c'est un truc qu'on devrait vous apprendre en cours de bio, quoi. Tu tonds la teub et puis c'est tout. Ouais, si j'étais président de la République, avec tout le programme que je vous ai donné tout à l'heure, je viendrais rajouter ça aussi. Tondage de zboub obligatoire, là. Pas déconner non plus, là. Elle est horrible. Là, vraiment, le tellement off, c'est incroyable. Incroyable. La nouvelle saison est sortie. Bonjour Basalmo, bonjour, n'hésite pas à dire bonjour quand c'est la première fois que tu parles sur le live, Basalmo. On n'est pas le support Ubisoft, là. On est des gens avec un cœur. Tiens, Basalmo, je te fais voir le spawn kill qu'il faut faire à 2,49. 2,49. Maintenant. Vas-y, viens là, toi. C'est un yep, ça, non? Vous êtes prêts, les mecs? One tap, 3, 2, 1, pou! Viens là, toi. On a vraiment zéro défense en rouge. Go there, duck, 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 duck. Go there. Qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà. Et voilà. Two guys right stairs. Both of them. He's on me. And I got the diffuse. You can diffuse it. No, go away. Nul. C'est pas un pied mais un flop ton spawn kill. What? Salut Six, t'en penses quoi de la map? Ben j'en pense qu'elle est très bien. Vous en pensez quoi? Salut, selon vous, quels sont les accessoires les plus utiles actuellement dans le jeu? Pour moi le cache flamme c'est des marques mais je suis pas sûr. Silencieux, silencieux partout mon gars, silencieux, tu mets un silencieux partout. Ok? Petit silencieux là. Ouais, mais le silencieux diminue les dégâts. Ouais, bah t'as qu'à mettre des headshots, ok? C'est un jeu où si tu tires dans la tête, 100% de réussite. Bon, bah voilà.
C'est aussi simple que ça, en fait. Hein. Ouais, mais franchement, je préfère... Non, on s'en fout. Ça diminue plus les dégâts. Oui, mais ça les augmente pas par rapport à un canon allongé. Parce que l'autre truc qui va être jouable, à part son flash hider, ça va être le canon allongé. J'ai hâte de jouer sur cette map. Elle est vraiment trop bien. Je regarde ce qui est mis. T'as toujours les drops de FPS ou ça va mieux ? Ouais, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux depuis qu'ils ont fait la mage et depuis que j'ai fait la mage Nvidia aussi. Mais je pense que c'est plutôt la mage des serveurs pour le coup. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont enlevé un truc ou changé un truc qui visiblement tirait sur l'FPS. Alright. Et à 20h du coup, il y aura Youngtis qui jouera, les amis. Petit match, prac slash show match. Vous verrez qui est là. Vous avez, vous aussi, ça a réglé les problèmes de FPS là. Les gens qui avaient des baisses de FPS, ça les a réglés ou pas? Contre qui? Vous verrez bien. Faudra attendre 20h. Pense quoi de nouvel agent? Il est cool. Il va être très fort au niveau. Ah ouais, la poutre, elle a l'air de bien... Elle sert à rien. La colonne. En ce moment, je regarde une série, elle casse le cul. Ah ouais, c'est quoi? Ouais, bah du coup, j'ai regardé Cœur Noir, ça va en fait. Comme je l'ai dit, j'ai regardé jusqu'à la fin et c'était ok. C'était sympa. À quelle vous mangez les gens du chat? À quelle heure, tu veux dire? En vrai, ces derniers temps, les nouveaux agents sont vraiment pas mal. Ouais, je suis d'accord. Bon, à part Grimm, quoi. Putain, j'ai encore l'habitude de lancer le game. Lancer les cams. À part Grimm qui est un peu pourri quand même. On va pas se mentir. Piou. One more salty fan. Okay.
La dernière fois que j'ai parlé sur ton chat, tu parlais de prendre un chien, ça s'est fait depuis ? Ouais, je l'ai pris, et puis après, je l'ai mangé. Franchement, un petit malinois sauce au poivre. Très très bon. Très très bon, ça passe très très bien. Sweet Tooth, 6-4, tout à l'heure tu étais en game, ça se passe dans notre monde actuel, il y a une sorte de virus qui fait que tout part en sucette et l'histoire est cool derrière. Ok Jack John. Première question que je vais te poser, quel âge as-tu ? Sans troll, je veux juste savoir. 30 ans. Est-ce que tu as vu Casa del Papel ? Deuxième question. Oui, mais j'ai pas trop aimé. Ah. Ok, ok. Ok. Oula, qu'est-ce qui... Coucou. Il y en a d'autres qui reconnaissent la Sweet Tooth, là. Mais j'ai vu, là. C'est le mec avec une tête de chevreuil, là. Moi, je suis pas trop science-fiction, quoi. Le mec qui a la solution à tout 30 ans à l'avance, c'est relou. C'est pas mal en vrai. Ouais, mais je sais pas. La dernière fois que vous m'avez dit ça, voilà quoi. La dernière fois que j'ai écouté le chat sur des séries, j'ai regardé le premier épisode de La Casa del Papel et de Lupin quoi. Et là j'avais envie de vous dire ok, bon bah j'écouterai plus jamais le chat. De ma life en fait. Where are they? J'aime bien le setup split là. Le bomb sit split. Il a raison, elle est trop bien. Sweet Tooth avec les gens qui ont des têtes de cerf, j'y crois pas. Ma tête dépasse là. Je vais mourir dans 3 secondes en fait. Sol, l'autre. Hey, trop relou là. Hey, le truc il est horrible. Impossible à trouver le truc. Yo Zaryu, comment ça vous plaît? Impossible à voir quoi. Yo Liké, comment ça va? Merci infiniment. Bon, j'avais même pas vu le raid. C'est vraiment de la merde maintenant ce Twitch. Hein. On voit plus les notifications de host et de raid. C'était quand même bien mieux avant quand même.
Merci mon petit poulet. Merci infiniment pour le raid de 192 personnes. Merci et bienvenue à tout le monde. J'espère que ton live s'est bien passé. Je joue, je teste les TTS et dans 20 minutes, il y aura le match entre eh bien Youngtis et c'est un show match, vous verrez tout à l'heure. Merci Liké. Bisous poulet. Et oublie pas, les Salty Duels, ça arrive bientôt. Ok, au cas où tu revoudrais un autre PC qui a du mal à démarrer. Aïe aïe aïe, des déboires avec ce PC, nom de Dieu. On va y arriver, on va y arriver. Bisous bisous poulet, ciao ciao. On va y arriver, il va l'avoir. À un moment il va dire non, franchement il est bien, il est bien. D'ici à l'année prochaine. Promis, avant 2025, t'as un PC Salty Duels Approval qui marche. Very good setup, very good. Are you Messi J? Very smart. You should be proud of yourself. Make a tutorial about this. Can you make a TikTok about this? Don't move, hein? God damn it, voilà avec quoi je joue. C'est quoi ces mecs? Where is she? C'est quoi ce bachibouzouk là? Ah, lui il est pressé. Ok, galette. Oh, mais c'est bon là! La fenêtre. Thanks bro. Il a tellement de la chatte! Sur le premier pic, je vois pas. Ça, c'est un beau timing. Boum. Bip! C'est horrible là, tu peux pas l'éteindre ce truc là. MDR, le bandit, c'est pas la bouteille la plus fraîche du frigo. Ouais, c'est pas la carpe la plus oxygénée de l'étang. Putain, la vache. Let's go, guys, hein! Very good bandit, hein. Do that again, yeah, yeah, yeah. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez là? Vous lui notez, vous la notez combien cette map là? Sur 10. Regarde-moi. Ok. 8,5. Putain la vache. C'est un peu claustrophobique n'empêche, non? Donc je fais quoi? Je me connecte à... c'est un clean feed avec l'intégralité de la prod ou quoi? Ce que tu m'as donné, Tisma? Allons-nous avoir ce degré de production? C'est pas le pingouin qui glisse le mieux sur la banquise. Ouais, je l'aime pas celle-là. Vas-y, trouvons-en d'autres les mecs.
Un truc en rapport avec Rainbow Six. Faudrait qu'on invente un truc avec Rainbow Six, tu vois. C'est pas... C'est pas le kangourou qui saute le plus haut du troupeau. Y a pas, c'est pas des troupeaux de kangourous, je pense. Donc c'est un peu de la merde. I'm on upstairs. Frérot, ça va sur le live? Tu t'amuses ou... Ah, comme hier quoi. I'm a, where? I don't know, near your chest. Et l'autre il est encore en train de trickser son trou à drone là. Ah ouais mais bon. Je vais te mettre là. On site, on ping, ping 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 ping. Already on site. Bon. L'autre en revanche, c'est qui était sur le live qui a voulu mettre le one tap comme hier là. Sur ma petite ligne. C'est pas le one tap qui utilise le moins de munitions. C'est pas le one tap qui utilise le moins de munitions. Non, franchement, c'est nul ça. Non, faut trouver un truc en rapport avec Rainbow Six, tu vois. C'est pas la hache la plus rapide du jeu. C'est nul ça. N'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte. C'est quoi un pogo? C'est pas le mate qui renforce le plus de murs. Ouais. Ouais. Non mais si tu le disais à quelqu'un, tu vois. Toi t'es pas le mate le plus... Non c'est nul. T'es pas le plancher le plus solide de la map. Ouais. Ouais, je sais pas. C'est nul. En revanche, j'en ai ras le cul du stream hack. Ça me casse les couilles. Ah. C'est pas le bandit le plus au courant du jeu. Bandit au courant. Parce que l'électricité. Ne refais jamais ça. Je sais pas quoi jouer là. J'ai envie de jouer Capcan. C'est pas la grenade la plus explosive. Non. T'es pas la grenade la mieux cookée. À la limite. T'es pas la balle qui met le plus de dégâts. C'est nul. T'es pas le blitz le plus aveuglant. Non, faut qu'on trouve des trucs plus pertinents. Enfin, il est horrible ce bon site là, non? Sérieusement, il est dégueulasse en fait. Reinforce. Cavera qui fait le plus d'interro. Y'a que moi qui n'arrive pas à me co à Ubisoft. Ah, y'a beaucoup de bugs en ce moment. Des charmes qui disparaissent, des connexions impossibles. C'est incroyable. Je sais pas comment setup ici, mais je pense qu'en final il faut le défendre ardemment cet endroit là. Le nouveau main. Le nouveau main est à défendre. Ardemment. Ouais, ardemment. Top yellow. Can we have a rotation here or something? Eh ben on est dans la merde les frérots, hein, je vous le dis tout de suite avec notre setup du bled là. On va pas rester dessus parce que les mecs ont l'air un peu débilos chez moi là.
Mais ils sont en, ils sont sur l'autre site les mecs en fait. Mais qu'est-ce qui... Mais qu'est-ce qu'il fait? Ou comment ça se passe? Et les décales, on y croit bien. Bon, je me casse dans 2 secondes, ce soir. Vas-y, va bien te prendre mon petit... Voilà. Encore? Il y en a un qui est au sol à gauche. C'est pas l'argent le mieux briefé. L'argent le mieux briefé. 19h49. Putain, j'ai envie de me faire une petite game tranquille là. Relançons une. Vite. Allez. En avant. Oh, le pire bomb site avec des gens qui savent pas défendre des bombes sites. C'est relou. J'aurais dû l'attaquer Yellow. C'est pas l'holographique avec le point le plus centré. C'est pas le plus qui capte le plus. J'ai l'impression qu'on est que 10 à jouer en même temps, tu m'étonnes que je tombe toujours sur les mêmes. Come on! Vous pensez que les gold et les platines vont utiliser Fenrir? J'ai l'impression que ça va être que utilisé à haut et low. Et en comp. Sûrement pour l'essayer, après ils vont lâcher le truc parce qu'ils sauront pas l'utiliser correctement. Oui, non, mais pour l'essayer, mais je veux dire de façon générale, quoi. Quand les gens vont passer la phase de test, quoi. Dans un mois, est-ce qu'il sera joué ou pas? J'ai l'impression que non, en fait. Toujours un plaisir. Merci à toi. Merci Veikroon. Non, pardon. Merci, mais merci aussi. Mais merci noix de coco pour les 27 mois. T'es un monstre, poulet. Mais pourquoi on a plus les alertes sur les raids? C'est relou, ça. Hein. Lol, Vei. Bon, allez, une game genre legit. That would be good. That would be amazing. En avant, les amis. Qui a testé les TTS ici, non?
Ah, j'ai toujours le problème avec la souris, j'en peux plus. Vous voyez les mouvements de merde là? C'est horrible. Je suis sûr et certain que c'est une copie, oui. J'en suis sûr et certain. T'as testé le nouvel agent? Ouais. Ouais, il est cool. Ah, et pour ceux qui sont arrivés tout à l'heure avec le machin là, j'ai un problème avec ma souris, on en parlait. Juste avant, j'ai une souris qui a un clic qui a pété, et après j'ai utilisé une autre souris qui me restait, la même, et le capteur est off en fait. Il capte trop quand je la soulève. Là, je suis à 1 cm de la. Du tapis de souris là. Ça devrait pas capter autant quoi. Du coup, bah, pff, ça me fait faire des mouvements de merde, des trucs de merde. Du coup, j'ai contacté Logitech ce matin. T'as pas mis la troisième? Non, parce qu'il y avait tout le cable management à faire et j'avais trop de boulot aujourd'hui, et voilà quoi. Là, on voit bien quand je fais des décales tout pourries, là, j'arrive sur le mur. C'est chiant. C'est le même en fait, hein. C'est la Pro League pour eux. T'sais. Je peux avoir juste d'autres personnes. Juste et faire une petite game tranquille. Des anciennes souris, tu les as achetées. Je pense que vraiment, il n'y a que 10 personnes sur le TTS, quoi. T'sais. C'est pas réglable la sensibilité de la souris avec le contact tapis de souris? Non, non, pas sur le Geob. Non, non, et puis, quand bien même, de toute façon, c'est la même souris. Donc, je devrais avoir le même feeling. Et j'ai pas du tout le même feeling. Et c'est vraiment chiant, pour le coup. Je passe juste bonne chance pour les games, bon stream. A plus tard, Siko. Champion du monde de Airsoft? Pas encore. Faut qu'il fasse des compètes. Ça attend trop les autres, mon livre. Allez, la petite dernière. Tiens, j'ai pas pris le bas de monk là. Alors, on a vraiment dit ça à jouer, donc je vais retomber avec les mêmes. Putain de fils de pute. Si peu de monde que ça sur le TTS. Bon, je pense que les gens testent le TTS pendant 72 heures, tu vois. Au bout de 3 jours, au bout de 4 jours, bon. Voilà, quoi. Bon, dans tous les cas, ces petites dernières. Même pas, je vais faire un round et je vais me barrer. Quand tu retournes sur RFT? Ah, c'est pas prévu. Qui joue à EFT ici?
J'aimerais bien tester. EFT, t'as jamais testé? C'est incroyable. En pote, avec des potes et tout, c'est sympa. En mode casu, un peu. La première fois, c'est un peu flippant, machin, truc. Après, en mode stream, tryhard, machin, pff, c'est pas intéressant. Ça me plairait pour le coup. Ah, c'est vraiment un super jeu, EFT, quand même. Je kifferais y mettre, mais ça fait flipper de débuter au-dessus. Ouais. C'est-à-dire flipper. Comment ça flipper? Merci Zerdal pour le fait d'être un nouvel étudiant. Bienvenue poulet. Et n'hésitez pas à vous sub. Voilà quoi. Il y a beaucoup de trucs de loot et de gestion de stock, non? EFT? Ouais. Bah ouais, ça fait partie du truc quoi. Carrément. Bon, je la termine pas celle-là parce que autrement je vais être trop à la bourre. J'adore le jeu, mais il y a énormément de choses à savoir, comment créer une arme, etc. Bah, franchement, EFT, moi j'aimerais bien y jouer en mode avec des potes, quoi. C'est-à-dire découvrir le jeu avec des potes, en mode vas-y, on se fait un EFT, machin, quoi. En mode stream, machin, c'est autre chose. Trop de retard. Trop de trucs à apprendre. Et c'est une niche. C'est une niche trop petite pour le coup. Merci infiniment Assis pour les 16 mois, t'es un monstre poulet. Qu'on puisse plus de jump là. Un peu mal le Blackburn, non?
frérot, t'es relou, hein. Rompiche là, on a rompichasse. J'arrive. Pas décalage pour le showmatch. Non. Qu'est-ce que tu penses du rework de consulat? J'aime bien. Je lui mets 7 sur 10. J'avais mis 7,5 sur 10 sur Twitter, mais je lui mets 7 sur 10. Parce qu'il y a quand même des endroits un peu trop claustro quand même. C'est un peu trop claustrophobique quoi. Il y a des endroits où t'aurais aimé des lignes quand même, tu vois. Genre dans le main. Je comprends la volonté de vouloir casser au final le d'avoir rajouté quelque part. Ils ont rajouté la même chose que le flag de Oregon. Pour éviter que quand t'arrives dans le main de Oregon, tu puisses voir l'intérieur du meeting. Donc t'as une cassure avec deux portes sur les côtés, quoi. Basique, ils ont fait la même chose au final, dans cette nouvelle pièce-là. Mais de là à casser cette pièce et de la resegmenter en deux, je pense que ça aurait pu être un peu plus intelligent, quoi. Je pense qu'on aurait pu faire un truc un peu moins extrême. J'arrive, hein, je termine et on y va. Ah, elle est horrible, la souris est horrible. Enfin, 7. On peut toujours avoir le charme de la salty. Non, pas du tout. Point d'exclamation charme, s'il vous plaît. Agresser les mecs là. Oui, il y a moyen de faire ce que je viens de faire, je pense. Si les mecs passent derrière le camion, tu montes, tu fais deux. The cam. Vas-y, on rompiche, mec.
Ceux qui avaient déjà le charme, ils l'enlèvent. Non, 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 tu le gardes. Du coup, ton le prix de ton acompte vient de prendre de la valeur. Ouais, forcément, t'as un charme que personne n'a. Enfin, qui est plus possible d'avoir. J'ai l'impression que c'est une bombe map shotgun. Bah, shotgun à proprement parler, oui, dans le sens où ça va être que il y a beaucoup de close range, quoi. Parce que la seule long range, au final, tu la joues pas vraiment. Ça va être le top, le bas colis, là. À voir, hein. À voir. Moi, je l'aime bien. Je trouve la map cool, hein, vraiment. Je trouve ça plus sympa que Night Haven. J'aimais bien Night Haven aussi, mais je la trouve plus sympa qu'une Night Haven, par exemple. Donc je suis relativement content de la map, quoi. Surtout, c'est les lignes qui sont créées. Il y a beaucoup de lignes, quoi. Et j'adore ça. De venir jouer sur des petites lignes, de mettre des gros travers. Moi, j'adore mettre des travers pour... voilà, quoi. Pour l'entertainment. J'adore ça. Ouais, je termine. Et on y va. Je termine et on y va. Je suis pas sérieux. Il est 20h09, je suis désolé. On va m'engueuler. Ah ouais, carrément, c'était une soliste, j'espère, parce que t'avais l'air d'être bien retourné quand même. Ok. Ah bah, ils sont pas encore prêts, de toute façon. Visiblement. Après, il était dispo presque 8 ans, donc niveau valeur, je vais passer ça pas si ça va grimper de ouf. Dispo de 8 ans. 2019, mon charme. Quand même, il est pas sorti avec le jeu, les gars. Après, dans les faits, ça va pas changer grand chose. Ne me dis pas que c'est une caverne là-bas. Ne me dis pas que c'est une caverne là-bas. Ah ouais. J'ai des pros avec moi en fait. Allez, en avant. Est-ce que c'est prêt là du coup? Désolé pour le retard, on sera good à 20h25. Ah, ok, ok. Ok, bah écoute, on relance. Yeah, GG guys! À chaque fois que tu pétais cette trappe, tu fais au moins un kill. Bah la trappe, elle est horrible hein, quand même. Hein. Elle est encore plus horrible qu'avant. Hein. Avant, t'étais obligé de travailler les murs et tout. Maintenant que t'as quand même... c'est... Elle est vraiment, vraiment dure, quoi. Elle l'oblige au final... la défense à venir jouer ce site. Elle est trop importante. C'est le meilleur moyen de défendre le site. C'est obligatoire. T'es obligé quasiment maintenant de venir intégrer cet élément dans ta défense. Et donc de facto, le piano, une partie du main, et voilà ce qu'il va y avoir. Voilà ce qu'il va y avoir comme setup. Mais c'est un setup étendu sur deux étages. Tu peux pas la laisser, cette trappe. Elle est indéfendable par en dessous. Tu veux mettre un caïd, un truc. Il y a de la verticalité sur les quatre côtés. Donc tu peux pas venir la mettre à un endroit. Après, j'ai pas vu. Ça se trouve à côté du pilar. Tu viens la mettre d'une certaine façon. Elle va quand même être électrifiée et machin, quoi. Il y a forcément des petits trucs, quoi. Mais de prime abord, comme ça, ça se voit. C'est le genre de... T'es obligé d'off-site. T'es obligé d'off-site. Le piano, c'est un truc qui se défend facilement. Voilà quoi. Mais c'est pas le meilleur des BP. Hein. C'est pas le meilleur des BP, je pense. C'est pas le meilleur des BP. Après, bon, il y a le pilar. Le pilar, au final, ce qui est le bas de l'escajone. Et l'escajone en lui-même deviennent des zones dures à prendre quand même. Pas forcément simples.
zéro verti, etc. Donc tu peux vraiment faire chier pendant un moment. Voilà quoi. Le top du top, ça va être de voir des mecs, si tu... de voir du... Enfin, je sais pas. J'imagine bien voir du Tachanka derrière le pilar, qui est en mode, bon, bah, moi, je suis là. Si vous voulez pusher dans le jaune, ça va durer 2 heures. Derrière, je peux me retourner, je suis protégé. Et voilà quoi. La trappe après, et en jouant sur la vertie au-dessus, tu dois avoir la vertie de la kitchen que j'ai pas travaillé, mais qui doit être plausible. Enfin, qui doit être relativement simple, quoi. Donc en vrai, c'est clairement le bon site qui se offsite. Parce que... Ou alors en étant très agressif sur la porte du garage, ou en misant tout sur le fait que... Enfin, tu peux pas les laisser prendre la vertie, en fait. Comme avant, hein, tu peux pas les laisser prendre le piano gratuitement, quoi. Parce que derrière, bon, le mec qui est derrière, si ça commence à jouer la vertie, le mec qui est derrière sa voiture rouge, bon, bah, on voit ce que ça donne. Hein, il meurt comme une merde. Il y a que le pilar qui a une place forte, qui est vraiment une strong position. Hein. Il y a zéro verti. Zéro verti, bien protégé. Pilar, c'est vraiment le paradis du smoke. Hein. Chaque smoke main qui a dû voir la nouvelle pilar, là, le nouveau pilar sur la nouvelle consula, a dû se dire, oh putain la vache. J'aurais bien aimé qu'on me laisse mon shield ici, moi. Le thermite double shot, mur renfo plus trap renfo, où ils ont bien assuré le range. Double shot, mur renfo plus trap renfo. Double shot, c'est-à-dire. Là, à l'ancienne, hein, tu peux faire comme sur l'ancienne Oregon, quoi. Tu mets ton thermite sur le mur non renforcé ou renforcé de la machine. Ça va faire péter la trappe. Hein. Non, mais c'est le genre le truc. T'imagines bien le nouveau closet, là, avec une trappe ouverte vers le piano. Voilà, un truc un peu externalisé sur 3 étages où au début, tu commences à mettre la pression en mode bah, vous êtes un peu obligé de venir me chercher parce que bah, si vous venez pas me chercher, du coup, je joue au niveau de la trappe du piano. La trappe du piano, elle te permet de contrôler le piano et les entrées dans le piano, en l'occurrence. Donc, tu es obligé de venir jouer un mec qui est dans son closet un peu pourri, mais qui, à tout moment, du coup, peut décider de dropper par le closet. Et derrière, sur le piano, tu t'étends au niveau de la... De la machine, là. Tu t'étends au niveau de l'exposition, ça s'appelle. Et t'es bien. T'es vraiment bien. Mais en vrai, je sais pas quel est devenu le meilleur. Je sais pas quel est le meilleur site, honnêtement. Honnêtement, je sais pas quel est le meilleur site. J'aurais presque tendance à croire que Piano Exposition devient pas trop mal. Le split aussi, quoi, est relativement cool. Enfin, il est intéressant en tout cas. C'est vrai que c'est le truc le plus sexy quand même. Le split est le truc le plus sexy parce que. T'as envie de creuser tes méninges en te disant « Tiens, comment on va l'attaquer? Comment on va le défendre ?» Une thermite pour les deux renfos? Bah oui, ça pète celle du milieu. Oui, je pense, ouais. Allez, voilà. Nom de Dieu. A plus, Jack. Yo, Natouf, comment ça va, poulet? Mais ouais, cette trappe, elle est dévastatrice. Après, c'était déjà le cas de la trappe toilette sur consulat. Hein, ce qui faisait qu'en bas, c'était quand même difficile à défendre. Mais il y avait des petits trucs quand même. Il y avait des trucs. Il y avait des petits plays. Il y avait des petits trucs à faire quand même. Ça va et toi? Bah écoute, pas mal. Ouais. On attend la prod pour Youngtis et on va y aller. On pourra pas hésiter à me le dire. Oula. Stream Deck autorisé. Bah ouais, frérot. Ah bah alors, qu'est-ce qui t'arrive là? Y'a qui là-dedans là? C'est qui là? C'est des. Les joueurs Youngtis. Les joueurs Youngtis. Qu'est-ce que vous faites dans le live là, bande de fils de pute? On a été là direct. Non, contre. Ah pardon, pardon, Len, j'ai pas dit fils de pute. La prod est en train de se setup 6. Bravo, bravo, elle est à l'heure la prod, hein.
Excuse-moi, j'ai dû utiliser VMix. Ouh, la prod, vous êtes vraiment une bande de canards. C'est 4 que... C'est qui joue la pose des faux là? Tu sais que je vois que ton bras, je peux même pas te tirer dessus. Qu'est-ce qu'il nous fait? Amuse. Ouais, je voulais juste les faire chier. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Allez là, pourquoi ça lance pas? Les petits salauds. On est en train de faire level up la prod, donc forcément ils font des tests et tout. En partie pour être prêt pour les trucs qui arrivent et qu'on va vous annoncer très bientôt. N'oubliez pas, point d'exclamation Discord, j'en profite. Il y a eu un nouveau TikTok aussi qui est sorti aujourd'hui, hier, il y en a plein en ce moment. Point d'exclamation TikTok. Profitez-en avant que le gouvernement décide que TikTok est banni en France. Ce qui sera une très bonne chose pour l'avenir, en fait. En vrai, ça apporte rien de bien. Voilà. Et après avoir fait sauter Paris, mis une pandémie en Corse, troisième truc, du coup, suppression de TikTok. Voilà. Moi, président. Vous avez mangé quoi ce soir? Mais il répond pas là, on a le chat endormi là. Un chat qui parle pas là, machin. L'IKEA, il nous a donné tous ses AFK ou quoi les mecs? Oh là là. Ça dort. Hein. Ça dit même pas bonjour ni rien. Un truc grave bon. Salut. Ah quand même. Des croques, monsieur. Et toi? À 20h20, moi, j'ai pas mangé. Moi, je mange à minuit. Putain, vous êtes endormis, là. Il y a personne, en fait. On se casse, en fait, du coup. Je coupe le live, je m'en vais. God damn it. On m'avait promis l'interaction avec le chat, là. Vous en avez rien à foutre. Ok. Excuse-moi aussi, juste ici, ça a l'air que ça parle pas de ouf, mais grave. Putain, la vache. Derrière, si on était sur le truc de Kameto, là, si j'étais Kameto, je vous disais, ah les gars, j'ai organisé les champions du monde, les championnats de France de curling, vous seriez, ouais, incre. Oh, je me tape tous les dépressifs de Twitch. À quelle heure le show match? Oh, mais l'autre. Quoi de ce? À quelle heure du vrai gameplay? Mais va te faire enculer, fils de pute! Ah bah oui, c'est fait complètement. Quelle heure du vrai gameplay, nous dit Scooz, le gold. Alors ça va? T'as pris des balles.
Aïe, ça doit faire masse. Zéro drone, bien sûr. Allez, zéro. Bon, là, en l'occurrence. Tu veux du vrai gameplay? Tu veux voir la dernière vidéo Airsoft BG? Tu vas kiffer. Vous aimez l'Airsoft, vous? Est-ce qu'on est bon? 20h25. On m'a dit 20h25. Allez, je prends deux minutes et on va lancer. On est pile à l'heure. En avant. J'arrive. Attendez, je vais changer le titre du coup. Tac, 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 tac. Hop, 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 hop. Welcome back. Yunki Show Match hier. J'ai enlevé le 20h. D'accord. Tac, tac, tac. Ça, ça devrait être bon.